présence, nous ouvrons ce conseil municipal dans une formation, et je remercie les collègues qui ont laissé pouvoir pour permettre d'avoir la nécessaire distanciation compte tenu du contexte épidémique avec ce qu'on appelle la cinquième vague, qui est pour l'instant celle du variant Delta. L'occasion pour moi, en votre nom, de saluer tous les soignants des établissements de santé, en particulier du CHU, qui, comme vous le savez, a dû déclencher son plan blanc pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, il y a une hausse des patients en hospitalisation et en réanimation. En réanimation, la plupart des gens sont non vaccinés. C'est pas sans tension parce que parfois, il y a eu tromperie sur le pass sanitaire et ça crée des tensions pour les personnels, les internes, les personnels qui rendent compte. Tension aussi parce que, évidemment, beaucoup de personnels soignants soit sont cas contact, ce qui désorganise la prise en charge des soins, puisqu'il faut, ça génère des absences. Et c'est vrai qu'il y a toutes les autres pathologies qu'il faut prendre en charge et que c'est extrêmement difficile. Et puis enfin, il y a une lassitude face à cette situation qui dure depuis presque 2 ans. Nous avons donc réouvert à la mairie le centre de vaccination qui connaît évidemment, enfin qui connaît, c'est heureux, une forte fréquentation. Nous avons tout fait, et nous verrons dans le débat d'orientation budgétaire, pour garder les écoles ouvertes, les crèches et l'ensemble des établissements et garantir une continuité du service public, justement pour éviter de fragiliser les familles, les personnels. C'est dur pour les soignants, c'est dur aussi pour la justice. Hier, de manière inédite, s'est tenu un rassemblement devant le palais de justice avec l'ensemble des magistrats, dans un consensus assez rare dans cette profession qui est souvent s'astreint la nécessaire réserve. Les greffiers étaient présents, le premier président de la cour d'appel, ce qui est un fait particulièrement rare et qui en dit long sur la situation de difficulté d'exercer, de rendre la justice. Et donc je m'y suis rendu en ma qualité de maire pour apporter le soutien aux côtés du barreau, dont je veux saluer le bâtonnier et l'ensemble des membres, pour soutenir la justice qui, à la fois, certes de manière, c'est connu, chronique, manque de moyens, et ça doit changer, mais dont les conditions de travail des personnels, pour ce service public-là aussi, combien essentiel, se sont considérablement dégradées, où les situations de burn-out, de suicide, il y a eu un cas lié à mal-être, une souffrance, une détresse professionnelle. Et donc, je lui ai apporté son soutien. J'ai écrit, je rendrai public ce courrier au ministre de la Justice, c'était antérieur à cette mobilisation, pour faire un point, pour demander des effectifs supplémentaires pour nos juridictions. Car de la même manière que nous avons été dotés en effectifs de police, et ils arrivent, il y a besoin de magistrats supplémentaires, ne serait-ce que parce que la population croit dans notre métropole et dans la juridiction, et que ne serait-ce que cela, ça ne suit pas. Et puis, nous pouvons l'espérer, cette mobilisation trouvera un écho sur des moyens supplémentaires pour que la France quitte ce classement particulièrement préjudiciable pour son image et pour sa conception de l'état de droit, qui est dans les bas-fonds des moyens alloués par habitant pour la justice. Je voudrais aussi, en votre nom, saluer la réélection du président de l'université Philippe Auger hier, dire combien nous travaillons bien ensemble, et prochainement nous devrons nous présenter au jury international pour accompagner la dynamique de MUSE, et que évidemment le partenariat fort, et je crois Max, tu étais hier au sein de l'université, permet, Max Levita, excusez-moi pour ceux qui nous suivent, est un élément important pour conforter
la dynamique de rayonnement, l'ensemble de la communauté scientifique de l'Université de Montpellier qui concourt à offrir aux étudiants et aux étudiantes des formations de grande qualité. Et je sais que nous travaillerons très bien avec le président Auger. Dans le monde de l'université, ce n'est pas un petit événement. Je voudrais saluer l'élection de la professeure Isabelle Lafond, qui a été élue hier de manière très large la doyenne de la faculté de médecine, qui est la plus ancienne. Première femme qui va exercer cette fonction. C'est donc en ça un événement historique et la galerie des portraits très intimidants dans la salle des actes, qui ne comporte que des hommes, va enfin voir arriver une femme. Et au fond, cette élection, c'est évidemment le sens de l'histoire, mais quand nous remettons les diplômes, quand nous nous rendons cérémonie de remise des diplômes des étudiants de médecine, nous constatons que la majorité des promotions, ce sont des étudiantes, et donc les choses bougent. Nous présenterons le rapport égalité femmes-hommes tout à l'heure, mais c'est un événement majeur, et là aussi, je sais qu'avec... très bien travaillé sur les enjeux de Medvalley, sur l'implication des internes dans leur formation, sur les projets que nous avons dans le cadre du contrat local de santé, sur les missions de prévention, d'accès aux soins. Voilà, troisième autre petite info rapidement, cette année, sur les vœux, nous attendons, donc m'exprimerai dans les semaines pour voir si nous pouvons tenir des cérémonies de vœux. Évidemment, nous agirons en responsabilité avec prudence et ferai connaître la décision à la veille du 31. La carte de vœux de la ville, pour laquelle chaque élu pourra les adresser, on a voulu faire un choix un petit peu différent des autres années, ne pas faire travailler une des agences de communication ou nos services. C'est un artiste. Et chaque année, je souhaite que ce soit un artiste différent qui représente la carte de vœux de Montpellier. C'est Thomas Verny, qui cette année, qui commence à être bien connu, qui illustrera la carte de vœux. C'est aussi un témoignage de notre engagement en faveur de l'art et de la culture. De vœux, il faut en formuler, ou en tout cas, il les fait. Et pour la seconde année consécutive, la mairie sera ouverte pour le Noël et le Réveillon solidaire, des 24 et 31. Alors, il y a le vaccinodrome dans la salle des rencontres, mais dans le hall de la mairie, merci à l'ensemble des équipes et surtout à l'ensemble des associations qui pourront offrir ce Noël de la solidarité, qui est un moment en partage. Et mes chers collègues, même si évidemment vous êtes, et c'est bien normal auprès de vos familles, vous êtes tous cordialement invités à passer, à saluer les bénévoles, les gens qui seront là. Ce sera un très beau moment. Je voudrais également avoir un mot particulier pour une de nos collègues, Clara Jiménez, qui a été distinguée du titre de docteur des universités hier. Et je me permets de saluer notre collègue qui est vice-présidente à la Métropole. Mais il est important dans notre engagement en tant qu'élu eh bien, de continuer à mener son engagement professionnel, ses projets de formation et d'avoir mené... à la fois sa délégation à la cohésion sociale pour laquelle elle s'implique et de recevoir le titre de docteur, ça mérite d'être salué. Et je pense que vous serez nombreux à lui adresser à cet instant un petit SMS ou un petit mot de félicitation. Pour terminer ces quelques informations de fin d'année, je voudrais saluer Aya qui fait son stage de troisième ici. Cher Aya, bienvenue à Montpellier, ici dans la salle très solennelle du conseil municipal où tu auras une illustration du débat démocratique qui anime toutes les communes de France et sur lequel nous allons délibérer. Voilà, et merci, très heureux de t'accueillir, merci à Clark et sa maître de stage et nous sommes très attachés à accueillir des élèves de 3e pour pouvoir leur faire découvrir le fonctionnement des collectivités territoriales et l'expression de la citoyenneté dans une démocratie. Voilà quelques informations, quelques mots en début de conseil. Je propose de donner la parole à notre collègue Sofiane Mansouria pour qu'il procède à l'appel.
Akbar Ali Taznim. Akil Nadia. Luc Alberne, excusé. Moued Altrad. Ardissan Georges. Aristegui Edine. Aslanian Michel. Assaf Christian. Baral Yves, représenté. Bélanger Boris. Bourdin Christophe. Boutewaïs Françoise. Brunet Véronique. Brémandon Elodie. Cabello Émilie. Représenté. Calvo Michel. Chartier Roger Yannick. Côte Sébastien. De la Fosse Michael. De la Vaux Jean-Dominique. Dior Michael. Dombrecoste Fanny. Doulin Alenka. Dufoy Caroline. El Kandoussi Abdi. Emad Hind. Représenté. Faye Marise. Fraîche Julie. Représenté. Jiménez Clara. Représenté. Guy Sepin Serge. Art Clark. Huguet Milvia. Janin Stéphanie. Jawari Salim. Jouo Stéphane. Labourier Flora. Laoukiri Mustapha. Lévita Max. Majdou Mustapha. Mansouria Sofiane, présent. Mansian Coralie. Marin Coury Nicole. Marsala Isabelle. Présent. Martin Hervé. Présent. Massar Marie. Présent. Mirales Patricia. Elle arrive, elle vient de me faire un petit SMS pour vous. Nakib Fatma. Présent. Nissan Laurent. Présent. Nosbé Yvan. Présent. Olivier Clotilde. Paterno Bruno. Renaud Manu. Ribaud Catherine. Robin Agnès. Saint-Martin Séverine. Sora Agnès. Sorel Philippe. Séblin Mickel. Serrano Célia. Sultan Charles. Chico Gradia. Travier Bernard. Urbani Joël. Vasquez François. Yagani. Merci, Monsieur Mansouria. L'appel est en... Nous avons le quorum. Nous pouvons délibérer. Donc, l'ordre du jour appelle 45 affaires. On a tenu il y a 15 jours un conseil, donc il est moins fourni. Y a-t-il des remarques ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui refuse de prendre part au vote ? Synthèse des décisions prises par le maire. Je demande de prendre acte de ces décisions. Affaire numéro 1. Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes au titre de l'année 2021. Et je passe la parole à Michel Aslanian, adjoint aux ressources humaines et aux finances. Merci, monsieur le maire. Très rapidement, en ce qui me concerne, puisque je laisserai à ma collègue Fatma Nakib le soin de rentrer dans les détails, puisqu'il s'agit de sa délégation. Vous le savez, chaque année, nous sommes en mesure de produire un rapport en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce présent rapport est constitué de deux parties. Dans la première, il est fait état de la politique des ressources humaines menée en faveur de l'égalité entre les agentes et les agents. Et dans la seconde partie, le rapport présente les actions menées par la collectivité dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques sur son territoire et fixe ses orientations à venir. Madame Nakib, je vous laisse la parole. Bonjour, merci. Cette année, nous avons recueilli les impressions des agents en rédigeant un questionnaire qui leur a été transmis par différentes voies de manière à ce que le plus d'agents possible puissent répondre, qui concernait l'égalité et la diversité professionnelle. Ce questionnaire a reçu 500 réponses et nous a permis de projeter des préconisations, des mesures regroupées dans un plan pour l'égalité professionnelle dans la collectivité.
Entre autres choses, la création d'un observatoire de l'égalité, un plan de signalement pour lutter contre les discriminations et les violences ont été travaillés et votés travaillés avec les organisations syndicales représentatives des agents, discutés au sein des comités techniques et soumis au mois de juillet, si je me trompe pas, hein, Michel. Voilà, ça nous permet quand même de faire avancer ces questions. Je salue aussi les recrutements qui ont eu lieu ces derniers mois et qui mettent effectivement l'accent sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et également le prochain recrutement d'une personne qui sera en charge de mettre en œuvre ce plan d'action pour atteindre l'égalité professionnelle et qui suivra également la labellisation de la ville pour l'égalité et la diversité professionnelle. Je vous remercie. Madame Naki, merci Monsieur Aslanian pour cette présentation à deux voix. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce point ? Madame Saint-Martin, pardon. Merci Monsieur le maire. Alors, en 2021, malgré tout un arsenal juridique, les inégalités entre les femmes et les hommes subsistent à tous les niveaux de la société. Mais nous allons nous concentrer là, avec cette publication de rapport, hein, sur la sphère emploi et égalité professionnelle. On va se rappeler quelques chiffres. À poste et compétences égales, les femmes gagnent 9% de moins que les hommes. 80% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. Les femmes représentent 26% des promotions des écoles d'ingénieurs. Notre pays compte seulement 3 femmes patronnes des 120 entreprises plus grandes françaises. Notre pays compte 30% de femmes chefs d'entreprise. Quand elles créent une entreprise, les femmes qui créent une entreprise, une start-up, ont 30% de chances de moins d'être financées que des hommes. La part moyenne des femmes dans des postes d'encadrement supérieurs de la fonction publique est de 37%. Pourtant, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et du coup, je souhaite saluer ce rapport qui impulse un véritable changement. Un véritable changement avec la formalisation de l'engagement de la ville en faveur de l'égalité professionnelle avec un plan d'action dédié dans sa stratégie RH. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Je tiens à saluer l'engagement pris et tenu d'avoir des femmes au niveau de la direction. C'est un changement important par rapport au passé. Sur les 20 directions de pôle, 12 sont tenues par des femmes. Sur la direction générale, nous sommes à parité parfaite. Il faut bien noter que les progrès en matière de droits de femmes et d'égalité ne sont pas juste une affaire de femmes, une affaire de sexe, une affaire de genre, mais elles constituent un progrès pour l'humanité tout entière. Je tiens à saluer l'engagement de l'ensemble de l'équipe municipale qui fait de l'égalité homme-femme un fil rouge dans l'ensemble des politiques menées. Et pour exemple, l'engagement pris et tenu de la parité au sein de l'ensemble de nos instances démocratiques, conseil de quartier, conseil municipal jeunesse, groupe de travail habitant dans l'ensemble des concertations que nous menons. Pour l'ensemble de ces engagements, je vous remercie beaucoup. Attention et d'avoir relevé ce qui est devenu la direction générale qui est à parité, un DG, un DGD, deux DGD femmes, parité, et dans les directions de pôle, 12 directrices, 12 responsables d'ailleurs, de pôle sur 20. Nous avions un chemin colossal à parcourir puisque c'était, à mon arrivée, 100% masculin. Et donc c'est un élément important qui permet d'engager ensuite, de poursuivre ce mouvement pour l'ensemble des agents. Voilà. Pas d'autres demandes de prise d'intervention. Il faut prendre acte. Prenons acte.
Affaire numéro 2. Je redonne la parole à Michel Aslanian pour le débat d'orientation budgétaire, puisque c'est au début du premier trimestre que nous adopterons le budget de la ville de Montpellier en 2022. Monsieur Aslanian. Merci, monsieur le maire. Comme vous le venez de le signaler, nous avons l'obligation d'organiser un débat sur les orientations budgétaires dans les deux mois qui précèdent le vote du budget primitif. Ce débat est associé à un rapport d'orientation budgétaire qui vous a été transmis, ainsi qu'à tous les membres du conseil municipal. Le rapport que nous allons vous présenter est structuré en trois points. Premièrement, le contexte de préparation du budget 2022. Deuxièmement, les piliers de la stratégie financière de ce nouveau mandat. Et enfin, les premières orientations du projet de budget 2022. Donc nous allons défiler un PowerPoint. Première diapositive, s'il vous plaît. Voilà, donc là, très très rapidement, pour avoir un élément temporel, rappelez-vous, le 30 novembre 2021, nous avons voté la PPI 2021-2026. Aujourd'hui, 7 décembre, nous participons au DOB 2022. Et enfin, le 1er février 2022, dans le cadre du Conseil municipal, nous voterons le BP 2022. Alors, ce budget, ce DOB est préparé au niveau de quatre piliers, qui sont les piliers de la stratégie financière du mandat. Premier pilier, nous garantissons la stabilité des taux de fiscalité des ménages, et donc, comme nous y sommes engagés, il n'y aura aucune augmentation des taux pour la durée du mandat. Deuxième pilier, nous voulons pérenniser l'autofinancement et à ce titre conserver un taux d'épargne brute satisfaisant permettant de financer la PPI. Nous voulons assurer une gestion stratégique et maîtrisée de la dette. Notre objectif est de contenir la dette à une capacité de désendettement inférieure à 12 ans. Enfin, quatrième et dernier pilier, nous avons la volonté de financer une PPI ambitieuse qui vous a été présentée. Pour mémoire, nous voulons investir 1 milliard d'euros et bien entendu, et c'est un des grands objectifs, améliorer le taux d'exécution des dépenses d'investissement. Concernant les orientations de ce budget, les éléments de cadrage de la stratégie financière sont au nombre de 3. Comme je vous l'ai dit, 0% d'augmentation du taux d'imposition des ménages, pérenniser l'autofinancement par l'alignement de l'évolution des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement. Et enfin, nous l'avons dit, 1 milliard d'euros d'investissement dans le cadre de la PPI. Un petit focus, si vous voulez bien, sur l'aspect financier de la crise sanitaire. L'impact total qui était de 9,8 millions d'euros en 2020 est passé à 2,5 millions d'euros en 2021. Nous l'estimons à 2,3 millions d'euros en 2022, avec en fonctionnement 2,2 millions d'euros. Alors bien évidemment, nous avons envisagé le budget au regard de la dégradation actuelle des conditions sanitaires, des budgets dédiés à la gestion de crise, puisque nous avons des hypothèses, mais ça reste des hypothèses à ce jour. Au niveau de ce budget primitif, nous avons donc des recettes réelles de fonctionnement avec un effet de rattrapage sur la crise sanitaire en 2020 et 2021 et un plafonnement de l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement sur celle des recettes. Nous voulons élaborer un projet de budget volontaire responsable qui poursuit la dynamique de la relance que nous avons insufflée, un autofinancement pérennisé par la maîtrise du fonctionnement, un soutien accru aux associations et à nos partenaires et bien entendu une dette contenue et mesurée. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, nous avons donc fonctionné avec les hypothèses suivantes. Au niveau de la fiscalité, une hypothèse d'évolution de 2,8% des recettes de fiscalité directe par effet d'évolution des bases. Au niveau des produits et services du domaine, une hypothèse d'évolution de 5%, qui est un effet de rattrapage après le confinement 2020 et 2021. Et au niveau des dotations, enfin, un maintien des recettes perçues au titre des dotations. Ce qui nous donne une dynamique d'évolution des recettes attendue comme favorable. Ce sont nos hypothèses. Au niveau des dépenses de fonctionnement, au niveau des charges générales, nous avons un renforcement des crédits dans les secteurs de l'enseignement, de la petite enfance et de la culture. En ce qui concerne les subventions, nous faisons une évolution afin de renforcer le soutien au secteur associatif et aux partenaires. Et enfin, au niveau des charges de personnel, nous avons une évolution qui est liée à trois grands facteurs.
Le classique effet GVT, l'ouverture de nouveaux équipements comme dans les groupes scolaires, bien entendu les effets exogènes qui sont liés aux obligations légales, et nous avons mis en place des mesures de politique salariale que vous connaissez, dont nous pourrons détailler éventuellement les éléments. Notre objectif est de plafonner l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement sur l'évolution des recettes réelles. Enfin, un point rapide sur les dépenses d'équipement dans le cadre de ce que nous avons présenté à la PPI la dernière fois. Donc cette année, nous investissons 130 millions d'euros. Rappelez-vous, il y avait quatre grands domaines. 35 millions d'euros pour donner la priorité aux écoles et aux enfants. 20 millions d'euros pour apaiser la ville. 30 millions de fonds de concours à la métropole pour les espaces publics et les mobilités douces. 13 millions d'euros pour une ville plus verte et plus résiliente, 14 millions d'euros pour l'épanouissement de chacun, 16 millions d'euros pour une ville plus proche et plus solidaire, et enfin 2 millions d'euros pour une ville qui protège chacune et chacun. Voilà, mes chers collègues, la présentation de ce PowerPoint. Je suis à votre disposition pour les questions. Monsieur Aslanian, j'ouvre le débat d'orientation budgétaire. Quelles sont les demandes de prise de parole? Voilà. Alors, Madame Labourier, Monsieur Lévita, Monsieur Jawa. Alors, attendez, je note, excusez-moi. Madame Labourier, Monsieur Lévita, Monsieur Jawari, Madame Doulin. Oula, ouais, ça va arriver comme ça. Madame Massard, Monsieur Martin. Madame Dombre-Coste. Merci. Madame Labourier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonjour, chers collègues. Alors, quelques remarques sur ce rapport qui est juridiquement acceptable, mais politiquement décevant. Il est décevant pour moi, pour une raison importante, c'est que c'est votre premier réel rapport qui devrait s'appuyer sur une rétrospective, un bilan en fait de votre mandat. Parce que c'est vrai que les premiers débats que nous avions eus étaient en transition avec l'ancienne municipalité, l'ancienne équipe. Donc c'est vrai que c'est pour moi votre premier réel rapport. Et effectivement, dedans, on n'a pas vraiment d'éléments de bilan. Et c'est ce qui est un peu dérangeant parce que pour prendre des orientations, on le fait à l'aune de ce qu'on a fait. Concernant la partie personnelle, et moi j'ai apprécié qu'en introduction vous rappeliez le sacerdoce des agents du service public, notamment de ceux de la justice, mais il y a surtout, et ici ce matin, ceux de vos agents, dont le mal-être est aujourd'hui réel. Or, dans votre document, alors moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on maîtrise les charges de fonctionnement en réduisant la charge du personnel. Au contraire, je pense vraiment que les agents qui sont garants de l'unité de notre territoire, de l'unité de notre République, c'est une chose essentielle. Beaucoup des agents font leur carrière quasiment dans la même collectivité. Ils y entrent, ils s'y épanouissent, ils servent leur ville et ils partent à la retraite dans ces collectivités. Ils sont essentiel. Or, ce mal-être, aujourd'hui, il est réel. Et ce qu'on voit dans votre rapport, c'est l'annonce essentielle de recrutement. Alors, on peut s'en satisfaire, mais il n'y a rien concernant la situation, l'évolution des carrières de ceux qui sont là. Une petite évocation du RIFSEP, ok, mais quid, par exemple, de la mobilité interne? Alors, je ne dis pas que la commune n'envisage rien à ce sujet, sauf qu'aujourd'hui, quel est le message qu'on envoie aux agents à la lecture et à la présentation de ce PowerPoint complètement lapidaire? Les mobilités internes, ça prend en compte l'évolution de la carrière des agents. Et aujourd'hui, dans ce document, je ne vois rien à ce sujet et je m'en étonne. Et je le regrette. S'agissant, d'ailleurs, c'est vrai que vous avez évoqué la loi de transformation de la fonction publique. Alors, c'est vrai que c'est un cadre juridique qui est contraignant pour vous, mais ça, c'est une réponse juridique. Il y a un mal-être des agents, on doit apporter une réponse politique, et aujourd'hui, je considère que le compte n'y est pas. Vous n'êtes pas là pour être que des gestionnaires, c'est le minimum. Vous êtes là pour apporter des vraies réponses, et surtout pour une collectivité de gauche à laquelle on tient.
Concernant les investissements, alors c'est vrai, on a des effets de com', hein, on a une jolie fleur avec des jolis pétales, avec des slogans très intéressants, une volonté de verdissement de la politique de la commune. Alors on ne sait pas trop d'ailleurs si c'est pour rassurer et convaincre les habitants ou certains membres de cette assemblée. Mais quand on prend la liste derrière des opérations de la PPI, on a quand même une liste un peu à la Prévert et on ne sait pas, à la lecture de ces opérations, lesquelles se rapportent à vos pétales que vous présentez plus haut. Par exemple, la politique foncière de la collectivité, 6 millions, ok, mais c'est pourquoi ? C'est pour les mobilités, c'est pour l'épanouissement, c'est pour la ville résiliente. On n'a pas de lisibilité réelle des choix que vous avez faits et de rattachement aux orientations budgétaires. Et donc ça, c'est gênant pour nous parce qu'on a du mal à voir, en fait, finalement, sur ces 60 millions qui nous sont présentés, donc à peu près la moitié de ce qui est affiché sur les 130 millions, effectivement, on peine à comprendre pourquoi on nous présente le complexe de tennis. Alors, c'est très bien un complexe de tennis, mais pourquoi cette orientation-là, puisque vous avez donc hiérarchisé la présentation, ce complexe-là, comment ça s'inscrit au niveau des investissements? Et surtout, et là on le regrettera, aucune rétrospective qui est appliquée à vos orientations, notamment on a une partie sur la sécurité, et moi je fais partie des élus qui vous ont appuyé, qui ont voté toutes les mesures en matière de sécurité que vous avez présentées, les caméras, les conventions, parce que je reste persuadée que c'est un sujet essentiel à prendre en considération. Et aujourd'hui, j'aurais attendu que vous présentiez un minimum de bilan pour nous expliquer pourquoi vous allouez cette somme-là au prochain budget. C'est assez important pour nous de comprendre pourquoi ces choix sont faits. Donc nous présenter des chiffres, c'est un minimum, c'est une obligation qui vous incombe, mais politiquement, le compte n'y est pas. Et donc j'espère que vous allez nous répondre sur ces points ce matin. Je vous remercie. Madame Labourier, la parole est à Monsieur Lévita. Merci, Monsieur le maire. J'ai lu avec attention, c'est le moins qu'on puisse faire, le rapport introductif à ce débat. J'ai quelques observations à faire. Je trouve que vous commencez bien, page 1. Le rapport insiste sur les incertitudes de la période. Je vous cite, c'est ce qui est écrit. Les mesures de soutien et de relance de l'activité ont entraîné une dégradation significative des comptes publics qui pourrait se traduire d'ici quelques années par la mise en place par l'État de nouveaux dispositifs de restriction de l'évolution des dépenses publiques. Fin de citation. C'était bien, je trouve que vous commenciez bien. Je m'attendais à ce que vous proposiez quelque chose en attente de ces dispositifs de restriction. Rien. Page 10 et suivante, moi je salue le travail qui a été fait par vos services pour obtenir une croissance du produit fiscal direct de 2,8%, une augmentation des dotations et compensations de 4,1%, une augmentation des subventions versées par nos partenaires. Alors en général, on procède, puisque c'est une prévision, avec prudence, en espérant ainsi avoir de bonnes nouvelles et de nouvelles ressources pour le budget supplémentaire. Conclusion, vos ressources vont augmenter au moins de 3%. Et là, j'arrive à la page 18, j'ai fait la même observation à la métropole, mais vous écrivez, il est proposé de plafonner l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement à l'évolution des recettes réelles afin de maintenir nos ratios de gestion. Alors, vous commettez une grave erreur à mon sens, vous commettez la même erreur à la métropole. D'abord, vous ne maintiendrez pas vos ratios, vous allez augmenter les investissements, donc les emprunts, donc les intérêts des emprunts, ce qui fait que le ratio, si on s'en tient à ce que vous avez fait, mathématiquement, il s'écroule. Ensuite, je reviens à ce que vous écriviez page 1, il y aura de nouveau dispositif de restriction de l'évolution de nos dépenses.
Monsieur le maire, nous avons connu deux dispositifs. Le dispositif Hollande, par lequel l'État a diminué ses dotations. Dispositif qui a été peu sensible à la mairie, parce que la diminution a été compensée par l'augmentation de la dotation de solidarité urbaine. Mais nous n'avons pas pu utiliser cette dotation au domaine auquel elle était censée s'appliquer. Nous avons connu le dispositif Macron, dit pacte de Cahors, où l'évolution des dépenses de fonctionnement était limitée à 1,5%. Ce pacte a été respecté, non sans difficulté, mais il a été respecté, ce qui vous permet aujourd'hui de disposer d'une situation financière saine. Page 21, vous prévoyez une programmation d'investissement à 130 millions contre 90 prévus en 2021, soit plus 44%. C'est une progression que vous n'atteindrez pas. Je vous interroge sur les crédits de paiement envisagés au cours de la mandature, page 31. Vous annoncez 542 millions de crédits de paiement. C'est loin du milliard annoncé. Alors je sais bien que tous les investissements ne sont pas en autorisation de programme, les crédits de paiement. Mais 542 millions contre 1 milliard annoncé, l'écart me semble énorme. Je conclue. Votre annonce de budget ne me semble pas correspondre à la situation actuelle. Vous vous croyez au temps des 30 Glorieuses qui se sont terminées en 1973. Depuis 1973, ce temps est passé. Vous avez évoqué aujourd'hui, tout à l'heure, en introduction, la situation de la justice dans ce pays. Vous pourriez évoquer la situation de l'enseignement, une situation que vous connaissez aussi bien que moi. Les enseignants sont tout aussi désespérés que les juges, que les magistrats. Vous pourriez citer la situation des policiers, des gendarmes, des militaires. Nous payons, on est en 2021, depuis 1973, au niveau de l'État, un budget a été en équilibre. Un, depuis 1973, vous calculez, ça fait presque 50 ans, un sur 50. On est dans une situation extrêmement compliquée. Et le temps des 30 Glorieuses, il est passé. Je l'ai vécu, le temps des 30 Glorieuses. Vous étiez trop jeune pour ça, mais vous l'avez vécu, vous êtes historien, vous connaissez. Nous sommes au temps de la mondialisation, de la concurrence féroce des États, de la nécessité de la transition énergétique, et nous sommes au temps des incertitudes. Je vous invite à en prendre conscience, c'est les réflexions que m'ont inspiré le rapport que vous avez écrit. Je vous remercie. Monsieur Lévita, monsieur Jawari, puis Mme Doulin. Monsieur le maire, aujourd'hui, on présente ce débat d'orientation budgétaire en pleine cinquième vague de Covid, la veille même d'un conseil de défense qui peut prendre des mesures de restriction sanitaire qui peuvent être complexes. Alors je vais rejoindre ce qu'a dit notre collègue Lévita, ça sera peut-être une année compliquée, nous nageons dans le flou. Et si on a la même météo, a priori, on n'a pas le même ressenti à la lecture de ce budget. Quand je lis ce budget, je vois que la principale recette de la ville est la taxe foncière sur le bâti. Vous bâtissez même votre budget sur la perspective et sur l'hypothèse de la hausse de la base de la taxe foncière sur ce bâti, et en disant, hein, je vous cite, vous misez sur l'augmentation des constructions nouvelles. Bon, ça c'est une bonne nouvelle pour les promoteurs à Montpellier, pour la Fédération du bâtiment qui s'en inquiétait, donc vous donnez des bons signes pour eux. Bon. En même temps,
dans vos promesses électorales, vous aviez dit, je vous cite, « Je serai le maire qui maîtrise l'expansion de la ville. On ne peut plus se satisfaire de la bétonisation par des constructions d'immeubles. » Bon, quand on a le même diagnostic et que, en principe, les décisions, quand le principe est, quand le diagnostic posé est erroné, forcément les décisions qui vont avec le sont. Bon. Comme en amour, on a besoin de preuves. On ne peut pas se suffire de belles déclarations ou d'intentions aussi vertueuses soient-elles. Il nous faut, dans ce budget, clairement préciser comment allez-vous financer tous ces investissements que vous avez, que vous nous avez cités. Nous avons voté pour le plan pluriannuel d'investissement le 30 novembre dernier, un plan ambitieux, 1 milliard. Or, aujourd'hui, vous prévoyez 130 millions d'euros, M. Lévital rappelait, 44% de plus que ce que vous avez prévu l'année dernière, donc 90 millions d'euros. Et moi, si je sais compter, vous prévoyez 1 milliard, 90 plus 130, ça fait 210. On soustrait ça, il nous reste 790 millions d'euros à investir, milliards d'euros à investir dans les 4 ans. 3 ans. C'est-à-dire on double, on triple la moyenne que vous nous avez citée, de 90 millions d'euros. C'est énorme. Bon. Moi, je veux bien, je me féliciterai si, et je vous féliciterai si vous y arrivez. Sauf qu'il nous faut, pour la manière, comment vous allez financer ces investissements. Est-ce que vous comptez augmenter l'imposition? Vous dites que non. Est-ce que vous allez, à quel niveau vous allez endetter les Montpelliérains? Maintenant, si vraiment vous comptez et vous avez un secret pour arriver au bout de votre plan d'investissement, alors j'ai envie de vous dire, nous naviguons à une vitesse de croisière. Pourquoi nous n'accélérons pas aujourd'hui? Pour investir encore plus vite et pour avoir les retombées plus rapidement, si a priori tout ça est finançable. Bon. Tout ça mis à part, si les objectifs de dépenses dans ce budget sont plus ou moins clairs, les objectifs d'économie ne sont présents, je regarde, nulle part. Pour conclure, monsieur le maire, je vous souhaite du courage et du repos pendant cette fête des confiseurs, car 2022 s'annonce une année charnière. Merci de votre attention. Merci beaucoup de votre propos. Alors, madame Doulin. Bonjour monsieur le maire, bonjour chers collègues. Alors vous nous présentez avec ce document la stratégie budgétaire pour notre ville en 2022. C'est un document qui est très peu précis. Moi je rejoins les remarques qui ont été faites préalablement. Et donc on attend avec impatience notre budget primitif 2022 parce que là en l'état c'est clairement un chèque en blanc. On peut voir une dégradation de la qualité du nombre de pages qui nous sont présentées depuis quelques années. Il y a notamment un point qui me semble secondaire et qui a été dit, c'est qu'à la différence de l'année dernière, sur ce DOB, il n'y a pas de chiffre en fait, sur l'évolution de la masse salariale. Il y a 7 petites lignes cachées dans le document, il faut aller voir annexe 4 pour avoir un peu quelques éléments tangibles à un moment sur cette évolution. Et donc je vais concentrer mon intervention là-dessus. Alors la masse salariale, hein, ce n'est ni plus ni rien ni plus que les moyens qu'on alloue à ceux qui font vivre nos politiques publiques au quotidien, les agents municipaux. C'est de manière générale, enfin, c'est là où on voit la limite de cet exercice où on a toujours tendance à présenter de manière hermétique les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Alors que des fois, les dépenses de fonctionnement, oui, sont les dépenses d'investissement et d'équipement sont nécessaires, et c'est ce qu'il faut faire, mais parfois les dépenses de fonctionnement, c'est le seul pari sur l'avenir possible. Et investir dans l'humain est la meilleure chose à faire. Et d'ailleurs, il faut faire les deux. On ne peut pas avoir des équipements si on choisit d'en faire plus. Et il faut des agents pour en prendre soin, pour les faire vivre. Donc voilà, donc c'est un peu la limite de l'exercice de ne pas avoir d'éléments là-dessus et pas de stratégie. Alors quand on dit que l'éducation est la priorité de son mandat, il faut non seulement des vidéoprojecteurs dans les classes, mais il faut aussi prendre soin de notre personnel municipal, ATSEM, animateur, animatrice et agents d'entretien et de restauration. Force est de constater que ce n'est pas le cas dans notre ville, qu'il y a un sujet.
Il y a eu des grèves très suivies par les ATSEM depuis la rentrée. Mardi, il y a une mobilisation des animateurs et des animatrices. Ils pointent des bas salaires, un manque d'effectifs et la précarisation de leur métier organisée par les collectivités territoriales. Ils le disent, il n'y a pas besoin de... Là, ce n'est pas l'État, on ne se tourne pas vers quelqu'un d'autre. Là, c'est nos collectivités qui ont organisé ce précariat. Et il y a encore des mobilisations aujourd'hui dans nos écoles. Je m'étonne donc vraiment que ce chantier de la valorisation, en tout cas que ce sujet, ne soit pas en moins un tout petit peu listé dans ce document d'orientation budgétaire. Alors vous précisez bien que la masse salariale va légèrement augmenter du fait de facteurs exogènes, du GVT et aussi internes. Alors là, vous listez, là, évidemment, s'il y a des nouvelles créations, s'il y a une nouvelle création d'école, on se doute que vous allez mettre des agents pour tenir l'école, mais il n'y a pas, cette question-là n'est pas mise sur la table. Rien sur le fait qu'il y a un sujet dans notre ville sur les moyens que nous allouons aux écoles. Et franchement, il y a des silences qui sont assourdissants. Et c'est le cas dans ce DOB. Alors moi, vous voulez parler masse salariale, moi je vous parlais masse de travail de celles et ceux qui font vivre l'école républicaine au quotidien. Et face à cette masse de travail, vous êtes à la ramasse. Alors Monsieur Aslagnan, l'adjoint aux ressources humaines, avait déclaré à la presse cet été, si les ATSEM explosent, on verra la copie. Ben, je crois qu'on y est, je crois qu'il faut revoir la copie. Et avec 40% des ATSEM qui sont absentes, hein, selon les dires de Madame Domoncos, hein, je ne fais que reprendre ses propos. Donc, bien sûr qu'on est conscient que la crise sanitaire aggrave un petit peu la situation, mais il serait naïf de croire que c'est le principal facteur et qu'il n'y a pas un problème de fond sur ce sujet. Alors, dans les mesures de politique salariale, je vous invite donc à provisionner cette année des moyens pour améliorer leurs conditions de travail. Si vous ne le faites pas, et si on reste dans ces situations, on ne regarde pas les choses en face, eh ben ça va revenir finalement au même, parce qu'il va falloir prendre des remplaçants pour remplacer celles qui sont en arrêt maladie. Et je l'avais dit dès juillet qu'on allait tout droit dans le mur avec une situation explosive dans nos écoles, un manque de personnel, des agents qui sont en burn-out, qui se mettent en arrêt maladie, finalement des enseignants qui sont sous l'eau, et puis c'est nos enfants qui en pâtissent. Donc je ne peux pas aujourd'hui imaginer que vous acceptiez cette voie, donc vous allez devoir prendre des remplaçants. C'est d'ailleurs, vous êtes en train de recruter une nouvelle campagne pour recruter des ATSEM et des animatrices et animateurs. Mais est-ce qu'on peut s'étonner que vous ayez des difficultés à recruter quand on est sur des métiers mal payés, sous-formés et avec du coup des cas de burn-out avérés et avec une collectivité qui ne semble pas prendre le problème à bras-le-corps? Alors monsieur le maire, on peut frénétiquement parler d'union de la gauche sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé. Mais quand on est dans une ville qu'on dirige et qu'on n'est pas capable d'améliorer les conditions de travail des agents publics, vous savez, il y a ce décalage entre les promesses électorales de votre candidate à la présidentielle qui dit « je vais améliorer les conditions salariales dans l'indication nationale » et puis la réalité, c'est qu'il n'y a rien eu sous le quinquennat Hollande et ça, il n'y a rien dans les mairies socialistes aujourd'hui qui est fait pour dire « oui, il y a des métiers qui ont été sous-payés, qui sont sous-valorisés et dont il faut absolument aujourd'hui améliorer les conditions de travail ». Vous voyez, ce décalage entre les mots et puis les actes, il est bien trop fort aujourd'hui. Vous pouvez faire des envolées lyriques, ça a été dit, sur le secteur de la justice. Vous n'avez rien dit, monsieur le maire. Il y a eu une grève des travailleurs sociaux la semaine dernière. Les travailleurs sociaux, ils sont certes financés par l'État, le département, mais aussi par nos collectivités. Pas un mot sur ces gens qui aujourd'hui sont en première ligne avec ceux qui sont les plus fragiles de notre société. Pas un mot sur les ATSEM, pas un mot sur les animateurs, pas un mot sur cette question de ceux qui font tenir nos écoles. Moi, je crois qu'il y a un gros problème aujourd'hui de décalage entre les actes et puis les paroles. Bref, balayez devant votre porte et je veux bien des éléments précis sur cette question. Merci beaucoup. Doulin, la parole est à Madame Massard, qui s'exprimera au nom du groupe ELV, je crois. Voilà. Oui, au nom du groupe des écologistes. Alors, une année 2022 qui va s'ouvrir à nouveau avec de grandes interrogations au regard de la situation sanitaire qui s'annonce. Comme l'indique le DOB, une évaluation est en cours afin de tenter d'anticiper les effets d'une nouvelle crise sur nos finances. Cette période rend difficile un travail prospectif, mais nous nous sommes donné un cap avec la récente PPI et nous souhaitons nous y tenir sans augmenter la fiscalité et sans non plus mettre en péril la situation financière de la ville. Donc décliner les orientations 2022, c'est aussi s'appuyer sur un bilan 2021. Alors, vous me permettrez donc de mettre en avant les actions, projets, politiques publiques portées par les élus écologistes de la majorité. Quelques exemples. 10 000 arbres plantés, 23 hectares sanctuarisés au parc Montcalm, 6500 m² préservés rue du Pont Trinca, permettant ainsi l'accès en plein centre-ville à un parc public et à de l'agriculture urbaine. Des dizaines de kilomètres de pistes cyclables développées. Une augmentation de la part des produits bio dans les cantines passant de 20 à 30% avec l'introduction de la viande bio. Et l'instauration d'une tarification sociale.
la création d'un observatoire des discriminations, démarche territoire zéro chômeur, élaboration d'une trame noire. Nous sommes mobilisés, nous travaillons. Pour la suite du mandat, nous avons encore de nombreux projets à mettre en œuvre. Nous le savons, nous sommes très attendus. Parmi eux, la cité de l'alimentation, l'agri-parc des Buisses et la préservation d'au moins 100 hectares d'espaces naturels et agricoles, la végétalisation de nombreuses cours d'école, le renforcement de la lutte contre la pollution lumineuse, le centre de soins de la faune sauvage et tant d'autres. Alors la réalisation des engagements nécessite des moyens humains. Nous tenons donc très sincèrement à remercier les différents services pour leur implication, leur aide dans la mise en œuvre de ces politiques publiques, puisque le service public a non seulement pu être maintenu, mais des projets ont également pu être menés. Nous avons mis la barre haut en fixant ce cap. L'atteinte n'ira pas sans difficulté, tant certains changements seront radicaux pour notre quotidien. Mais c'est une radicalité indispensable pour faire de Montpellier une ville écologiste, une ville résiliente. Et en tant qu'écologiste, nous l'assumons pleinement. Je vous remercie. Merci Madame Massard. La parole est à Monsieur Martin, qui je crois s'exprimera pour le groupe communiste. Oui, tout à fait, bien sûr, monsieur le maire. Alors tout d'abord, dans ce DOB, j'ai envie de dire, la partie qu'on a déjà traitée il y a 15 jours, 3 semaines, sur la PPI, c'est-à-dire la partie investissement, donc je vais être très rapide dessus, vu que nous l'avons traitée très récemment. Mais d'abord, me fait citer sur ce que nous engageons comme travail sur les écoles, parce que c'est effectivement dans les quelques compétences qui restent dans les communes et qui ne sont pas passées aux métropoles, la compétence la plus importante que nous ayons à traiter, pour plein de raisons que tout le monde comprend très bien, j'imagine, donc je ne vais pas m'apesantir dessus. L'autre point, c'est le soutien réaffirmé aux associations. Et là, c'est quelque chose de notre point de vue d'extrêmement important. Je rappelle que lors du mandat précédent, le soutien aux associations avait été diminué. Nous l'avons augmenté et nous continuons de le défendre. Pour une raison très simple, c'est que j'ai entendu... Non, c'est parfaitement vrai, monsieur Lévita, mais c'est pas grave. Monsieur Lévita. Non, non. Monsieur Lévita. Je ne dis pas n'importe quoi, monsieur Lévita. Monsieur Lévita, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. La parole est à Monsieur Martin et seulement à Monsieur Martin. Et vous aviez diminué l'enveloppe aux associations de 5%. Restez, Monsieur Martin, restez sur votre intervention, s'il vous plaît. Je suis sur mon intervention et ça fait partie de l'argumentation de mon intervention. Il n'y a aucune invective, il y a un constat de l'Assemblée. Aux mais je ne la réponds pas, je poursuis mon intervention. Merci, Monsieur Martin. Et donc, l'enveloppe avait été diminuée de 5%. Nous l'augmentons. Et c'est important parce que, à un moment, j'ai entendu un jour quelqu'un qui disait « La République, c'est moi ». Non, la République, c'est eux. Quand on parle du monde associatif, c'est eux qui tiennent ce qui fait société dans la ville. Et donc, c'est important de réaffirmer ce soutien aux associations. Autre point, le fonds de concours à la métropole. Et là, j'insisterai sur la partie qui permet de développer les transports en commun. Là aussi, chacun en voit bien l'intérêt. Je ne vais pas développer plus maintenant. La partie de ce débat qui est intéressante, alors je vois que ça émerge réellement aujourd'hui, moi je l'ai appelé de mes voeux depuis longtemps et encore la métropole il y a 2 jours, c'est en ce qui concerne le budget de fonctionnement. On voit bien la nécessité de ce qu'on appelle maîtriser le budget de fonctionnement en s'attardant systématiquement sur les dépenses de fonctionnement et en occultant les ressources. Et dans ces ressources, il y a une question importante qui est les DGF, les dotations globales de fonctionnement données par l'État, qui sont en diminution depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des ressources d'État qui ne sont pas un don aux communes, qui sont un dû. Et ce dû, nous ne l'avons plus, y compris quand l'État renonce à ses pouvoirs régaliens, nous obligeant, nous, à investir, par exemple, de façon plus importante dans la police municipale, parce que depuis longtemps, l'État recule sur une thématique comme celle-là. Et qu'on ne me dise pas, il n'y a pas d'argent. Parce que quand, entre 2013 et 2019, vous m'excuserez, j'ai fait ce que j'ai pu pour trouver des chiffres, mais qui sont parlants. 2013-2019, le CICE, cadeau au patronat, 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros de nos impôts. En même temps, de 2014 à 2017, alors la période n'est pas exactement la même,
mais la diminution de la DGF dont je parlais, c'est 28 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on fait 100 milliards d'euros de cadeaux au patronat, on diminue les dotations globales de fonctionnement aux communes de 28 milliards d'euros. Donc là, il y a de l'argent à aller chercher. Là, il y a de l'argent à aller chercher qui permettrait effectivement d'avoir un taux d'épargne satisfaisant pour pouvoir emprunter, pour pouvoir financer la PPI dont nous avons parlé. Et donc ça, à un moment donné, il faut le mettre sur la table. Et quand on est la 7e ville de France, quand on est une métropole française, on mène ce combat politique-là. C'est extrêmement important de le mener. Parce que sinon, effectivement, alors je l'ai entendu là tout à l'heure, je suis émerveillé de l'entendre, la défense du personnel et des fonctionnaires territoriaux. Effectivement, leur travail est extrêmement important parce que le travail et le budget de fonctionnement avec la part importante du personnel qu'il y a dedans, c'est effectivement l'investissement dans l'humain, l'investissement dans le service public de proximité que nous devons au travers de nos ATSEM, au travers de nos ETAPS, au travers de nos policiers municipaux, etc. Parce que nous avons 27% de taux de pauvreté à Montpellier et que ça, ce n'est pas forcément des grands investissements qui permettent de travailler sur cette question, mais c'est le travail de proximité de tous nos agents du service public. Mais qui les malmène? Est-ce que ce ne sont pas les décisions politiques des gouvernements successifs et du gouvernement Macron que certains ici défendent et d'autres se sont alliés avec les alliés de M. Macron pour pouvoir être élus ici et viennent dénoncer cette chose-là alors que le gel du point d'indice qui met effectivement les fonctionnaires territoriaux dans des difficultés de revenus, dans les difficultés de pouvoir d'achat, qui sont le premier souci de l'ensemble des Français aujourd'hui, c'est bien de là que ça vient. Donc à un moment donné, quand même, il faut être un petit peu raisonnable dans les interventions et pointer du doigt. Monsieur Lévita, c'est la deuxième fois que vous m'interrompez depuis ce matin. Dans 6 ans, jamais je me suis permis de vous interrompre seule fois. Monsieur Lévita. Je n'y ai pas participé au gouvernement Hollande, monsieur Lévita. Monsieur Lévita, s'il vous d'accord plaît. D'accord. S'il vous voilà. Plaît. Mais monsieur Lévita, je vois que ça fait 2 fois que vous m'interrompez. Pendant 6 ans, jamais une seule fois je me suis permis de le faire. Monsieur Lévita, voilà. On n'interrompt pas. Je vous remercie, j'avais terminé. On n'interrompt pas les orateurs. Non. Non. Monsieur Lévita, non. Non, écoutez, S'il vous plaît. On va juste. Madame Yag, s'il vous plaît. Madame Yag, ici, c'est une. Madame Yag, vous n'avez pas la parole. Il y a un règlement de notre assemblée, et cette assemblée, elle se tient selon le principe suivant. Et d'ailleurs, tout le monde a pu s'exprimer. Chacun demande la parole. 3 représentants de la liste de M. Altrad, M. Sorel, sa liste, M. Lévita a pris la parole, je pense, pour votre groupe. Chaque groupe s'exprime, s'écoute sur l'ordre du jour. Je le dis très tranquillement. Je vous donnerai la parole, M. Lévita, 1 minute, parce que visiblement vous souhaitez apporter un point, et j'imagine que vous souscrivez. Je m'en occuperai. Vous souscrivez au respect du règlement de cette Assemblée. Cette Assemblée, je souhaite... Tout le monde peut donner son point de vue, on peut avoir des appréciations différentes. Si chaque fois qu'on n'est pas d'accord, on coupe la parole, on s'en sort pas. Voilà, et puis on a le respect entre nous. Je rappelle, nous avons été marqués tous par cette phrase. J'ai une balle pour deux. Ou certains... Madame Yag. Non mais madame. Mais. Madame Yag. Vous voulez que je réponde? Que je vous réponde? Monsieur Alcandou, si vous voulez que je vous réponde? Vous recevrez prochainement un courrier de ma part suite à vos déclarations la dernière fois, copié à M. Sorel. M. Lévita voulait dire un tout petit mot, à titre exceptionnel, vous l'avez. Je vous remercie. Monsieur Lévita souhaitait s'exprimer, je lui donne la parole. Voilà, soyez respectueux. Allez-y, M. Lévita, très rapidement et dans le respect, s'il vous plaît. Je sais que c'est votre qualité.
Non, mais je respecte tout à fait. C'est la première fois que j'interviens aussi violemment pendant le discours d'un de mes collègues. Mais quand un collègue dit n'importe quoi, est-ce que nous avons la possibilité d'intervenir à la suite? Voilà, c'est simplement. C'est une question. Monsieur Levita, ici, il y a la presse, les gens regardent, chacun est juge. Si vous avez une appréciation différente, vous pouvez la faire savoir à l'extérieur. Non, mais monsieur Martin, il faut être au-dessus de tout ça. Et vous l'êtes. Madame Dombrecoste. Et merci de retrouver le calme, parce que la démocratie, c'est d'abord le respect de la parole de chacun. Et devant cette jeune fille stagiaire, je pense qu'il est bon d'élever le débat et d'être dans des débats de fond et pas des invectives. Merci, cher Michel Aslanian, pour cette présentation et cette ambition forte qui se dégage de celle-ci. Au nom du groupe SER, je tiens à souligner la fierté qui est la nôtre d'approuver aujourd'hui des orientations budgétaires reflétant profondément notre ADN. Celui d'une municipalité qui s'engage pour la justice sociale, pour un sursaut écologique, qui renforce l'école publique pour l'émancipation de chaque enfant, qui protège avec le bouclier social, qui porte des actions renforcées et coordonnées sur la sécurité. Bref, qui dessine une ville pour tous et pour toutes, grâce à des nouvelles mobilités, à un espace public inclusif ouvert aux familles, une ville à hauteur d'enfants, une ville respectueuse de ses aînés, stimulante et audacieuse. Ces orientations budgétaires sont la traduction des engagements qui ont été portés devant les Montpelliérains et les Montpelliéraines pendant la campagne électorale, lors des élections municipales. C'est donc l'engagement de l'équipe municipale et du maire. Nous sommes profondément attachés au respect de nos promesses de campagne et ces orientations budgétaires en sont la preuve. Sur la forme, sur le fond et dans la méthode. Sur la forme d'abord, sans augmenter les impôts comme nous nous sommes engagés, en maîtrisant la dépense publique, mais en investissant fortement. Sur le fond ensuite, ici localement, la gauche renoue avec ses fondamentaux pour l'intérêt général, pour la protection des plus faibles, l'émancipation des enfants, la confiance des familles dans une école publique laïque et gratuite, une action sociale véritablement utile, une ville au plus près des citoyens. Nous avons ouvert de nombreux chantiers, sommes au rendez-vous avec des investissements qui progressent et qui vont continuer à s'intensifier. Je fais référence évidemment à la PPI de la ville d'un milliard, mais également à la PPI de la métropole. Oui, ce n'est pas seulement de la dette, mais c'est aussi l'investissement, c'est de l'action économique et donc c'est de l'emploi. Montpellier s'était endormi pendant le précédent mandat. Aujourd'hui, nous la réveillons. Ouvrir de nouveaux lieux d'apprentissage et assurer à chaque enfant une école, avec des futures écoles dans le mandat, et notamment, je peux citer l'école du Conservatoire, Moreau 2, mais aussi le projet des Hauts-Croix d'Argent. Transformer la cantine pour en faire un temps de pédagogie avec la cité de l'alimentation, faire une ville véritablement inclusive avec la mise en accessibilité des bâtiments, une ville plus résiliente, une ville plus sûre qui protège chacun. Je crois que quelqu'un disait tout à l'heure qu'il souhaitait avoir un bilan. Ben, le bilan de l'action menée par mon collègue Sébastien Côte depuis notre arrivée en responsabilité sur la sécurité, c'est le dernier bilan du préfet avec moins 25% de délinquance sur la voie publique. Grâce à l'action coordonnée des polices et surtout de l'engagement avec nos commissariats mobiles de proximité. Bref, des projets et une ambition. Et je voudrais pour finir saluer la méthode dans laquelle la municipalité s'inscrit à travers la PPI, le DOB et le budget primitif qui viendra en son temps, évidemment, complet et détaillé car ils sont construits pour offrir la plus grande lisibilité possible aux acteurs économiques et aux sociaux de notre ville. Ils sont pensés pour rendre des comptes aux citoyens, par souci de transparence et pour renforcer la confiance, sans laquelle il ne peut pas y avoir de démocratie vivante. Je tiens à saluer l'ensemble des services et des élus qui, autour de Michel Aslanian, concourent à cette nouvelle vision de notre construction budgétaire, qui se cache un peu moins derrière des tableaux illisibles et des nomenclatures inaccessibles, pour une présentation plus analytique, plus parlante et plus claire. La démocratie, c'est la clarté. Merci. Madame Dombrecoste, je voudrais clore ce débat d'orientation budgétaire. Je rappelle qu'il y aura une présentation du budget en apportant à la fois quelques éléments de réponse à des collègues qui se sont exprimés et évidemment en contribuant dans l'esprit des intervenants précédents à en donner les illustrations. D'abord à M. Levita, je voudrais le dire, je n'étais pas né du temps des Trente Glorieuses. C'est-à-dire ce mot « crise » était celui qui nous façonne depuis 1973.
Personne n'ignore le contexte d'incertitude lié à la crise Covid, et je vais te dire dans quelques instants comment nous essayons d'y faire face, indépendamment des dispositions de protection de la population à travers la vaccination, l'esprit de responsabilité qui nous anime tous sur ce sujet. Et merci à chacun d'avoir défendu la vaccination et ne pas avoir cultivé des ambiguïtés. Je crois que c'est la position responsable de tout élu de la République. Vous le dire, nous faisons le choix d'être au rendez-vous du plan de relance et donc d'investir. C'est ce que nous affichons ici à travers la PPI présentée il y a 15 jours et dans ce DOB à hauteur de 130 millions d'euros. C'est notre choix, investir, parce que nous sommes aidés sur un certain nombre de projets. S'il n'y a pas de projet, nous n'avons pas d'aide. Et puis investir parce que notre territoire le commande. Madame Dombrecoz vient de faire référence aux écoles. Elle a cité l'école des Hautes-Croix d'Argent, qui aura un autre nom, pour répondre aux problématiques de la carte scolaire sur l'école Ronsard. L'école Condorcet permettra d'être une école en centre-ville pour que des familles vivent dans l'Écusson et dans cette centralité. Et ça s'inscrit là, dans notre stratégie de régulation d'Airbnb, parce que le centre-ville est un quartier de Montpellier, et si bien sûr il y accueille des touristes et nous sommes heureux, nous avons besoin de cela. Et donc, nous équipons la ville. Nous investissons parce que nous avons pris un certain nombre d'engagements, mais parce que nous les jugeons nécessaires pour les Montpelliérains. On peut parler de la restauration scolaire, ça a été évoqué, la végétalisation des cours d'école. Et si un DOB doit donner des orientations budgétaires, je me tiens là à la totale disposition de Mme Labourrier, qui s'est exprimée pour la liste de M. Altrade, pour lui dire que, par exemple, à l'école Voltaire, la cour a changé, et c'est avec des copeaux de bois végétalisés que l'ambiance est en train de s'installer. Je peux vous le dire aussi, Madame, et je l'ai entendu de votre autre colistière, les agents, et bien sûr qu'il faut rendre hommage aux agents de la collectivité. Et justement, un des choix qui a été fait dans la précédente exécution budgétaire et pour lesquels il y a eu des décisions modificatives et que nous faisons, c'est que nos dépenses de fonctionnement veillent à une chose, à la différence d'autres villes. Je vais prendre un exemple. Il y a des villes où on a écrit aux parents et on a dit on ne peut plus faire fonctionner la cantine à l'existant. Et donc, pendant un jour, la cantine, elle est fermée. Et le service public, il n'est pas rendu. Ça a été un choix d'économie. Nous avons fait le choix de remplacer les agents pour garantir l'ouverture du périscolaire, du temps méridien de la cantine, systématiquement. Et voilà pourquoi, effectivement, régulièrement, il y a des appels à recrutement. Pourquoi ? Parce que nous avons certains de nos agents qui ont des pathologies et qui sont en ASA. C'est la crise Covid. Parce que nous avons des agents qui sont cas contact et que nous respectons les protocoles. Et sur chacune des vagues, pour beaucoup d'agents, ça a été difficile. Comme dans d'autres services publics, au demeurant, comme dans d'autres entreprises. Mais systématiquement, de manière très réactive, la collectivité a cherché à recruter. Et pourquoi ? Parce que les collègues qui étaient le matin en prenant leur poste, eh bien, quand le renfort arrive, ils sont soulagés, ils exercent leur mission. Elles ne sont pas simples. Ça n'est pas simple ce que nous traversons aujourd'hui dans le fonctionnement du service public. Mais le choix de cette municipalité, ça a été, coûte que coûte, d'en préserver son périmètre, dans l'intérêt des familles. Nous entendions auparavant, je sais que c'est un point d'appréciation différente, mais quand la cantine ne fonctionnait pas, nous entendions des fois des témoignages de gens « j'ai perdu mon travail ». Et donc, résolument, nous avons fait le choix dans la crise de recruter. Et ça, nos dépenses de fonctionnement le ressentent. Et ça a été le souci pour les collègues qui étaient présents d'avoir les renforts. Et donc, nous allons continuer parce que nous voulons faire en sorte que les familles montpelliéraines, puisque là, il s'agit de la commune, ne puissent pas se sentir en difficulté. Et elles nous diront, mais monsieur le maire, vous dites ça, mais des fois, il y a une tension.
Oui, parce que nous vivons un moment inédit. Mais la ligne de conduite qui est la nôtre, c'est la continuité du service public. C'est la continuité du service public, du repas de qualité entre midi et deux, de la qualité de l'accueil périscolaire, de maintenir le niveau d'encadrement qui est important par rapport à d'autres villes de France de la même strate, en maternelle et en primaire. Alors, voilà sur nos dépenses de fonctionnement et pour nos agents, eh bien, les tableaux des effectifs ont contribué à déprécariser certaines situations depuis très longtemps. L'effort pourrait être encore plus important, c'est toujours ce que dira l'opposition, nous l'avons assumé. Nous offrons des mobilités internes, et d'ailleurs sur la question des ATSEM, fin janvier, nous aurons les résultats de la concertation et ça fera partie, ce sera sans doute une des options que nous devons poser. Les efforts y sont à faire pour le service public. Alors, j'ai été un peu interpellé par certains propos quand même. Mais nous, on agit pour le pouvoir d'achat, parce qu'on sait bien que c'est dur pour tous les agents publics et pour les travailleurs qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Quand on fait la gratuité des transports pour les moins de 18 ans, c'est un vrai geste de pouvoir d'achat pour les familles, non négligeable. Et je suis souvent interpellé par des agents de la collectivité qui disent « c'est bien, nous on a fait les économies là ». C'est un exemple. La cantine à 50 centimes d'euros que nous avons mis en œuvre qui a un impact dans le prochain DOB comme dans le compte administratif pour les 15 000 femmes seules avec enfants. Alors, sur critères sociaux, donc évidemment, c'est un peu moins, mais c'est un élément de soutien et de solidarité. C'est un élément. Quand nous avons mis en place le plan soutien scolaire public et laïque, c'est un soutien au pouvoir d'achat des enseignants, des professeurs des écoles qui mettent en œuvre cela et qui sont rémunérés par la collectivité. Donc nous agissons. Par contre, c'est vrai, mes chers collègues, dans ce DOB, M. Aslanian doit voir augmenter les dépenses de fonctionnement qui sont celles de l'énergie. Parce que le prix de l'électricité, le prix du gazole, le prix de l'essence augmente et ça nous impacte fortement. Et c'est pour ça que dans nos 130 millions d'euros d'investissement qui ont été présentés à la PPI, eh bien, nous faisons l'achat de véhicules verts, véhicules électriques, pour dégager des marges de manœuvre et des économies de fonctionnement. C'est pour ça que nous allons engager des crédits massivement pour la sobriété énergétique de nos bâtiments et en premier lieu de nos écoles, qui est l'un des principaux patrimoines, et que de temps à autre, Mme Saura rapporte et rapportera de plus en plus la chaufferie bois pour mettre fin au gaz ou à certaines énergies qui nous coûtent très cher. Ce sont des investissements qui font des marges de manœuvre. Alors, nous investissons 130 millions d'euros. Comment ? Eh bien parce que nous avons des capacités d'autofinancement, parce que nous avons un niveau d'intérêt actuellement bas et nous aurions tort de ne pas faire ces choix de l'avenir. Nous aurions des taux d'intérêt à 5% qui impacteraient fortement nos dépenses de fonctionnement. Nous serions invités à réviser nos choix. Et aujourd'hui, sur les marchés, auprès de la Caisse des dépôts, c'est 0,4 points. D'ailleurs, vous-même, les représentants de la liste de M. Altrad, c'était ce message que vous disiez. Il faut investir. Donc vous devriez plutôt saluer le niveau d'ambition qui est posé à 130 millions d'euros, qui est aussi une réponse à une petite phrase d'un des rapports de la Cour des comptes qui disait la chose suivante. Le niveau de fiscalité à Montpellier est élevé, mais le niveau d'investissement apparaît anormalement faible. Alors, ce n'est pas la Cour des comptes qui fait des choix politiques, M. Martin, je le sais. Mais ça met un peu d'eau au moulin, cela. Les choix, nous les faisons parce que nous voulons agir pour Montpellier. Vous avez, il a été évoqué la fiscalité. Eh bien, nous continuons l'engagement de stabilité des taux. Et la principale recette, qui est la taxe foncière, restera stable. Elle restera stable et comme nous allons construire des logements, parce qu'il y en a besoin, dans des zones d'aménagement concertées, et c'est ça mon engagement, eh bien, nous avons une bonne nouvelle, et des fois, il faut saluer les choses quand elles sont bien. Eh bien,
grâce à la commission dite Rebsamen, eh bien, quand on construit dans les actes, quand on construit dans le respect d'un certain nombre de principes d'urbanisme, eh bien, on est bonifié. Et pour la ville de Montpellier, c'est une recette supplémentaire de 500 000 euros. Voilà. Alors, voilà quelques réponses que je pouvais apporter aux uns et aux autres dans ce débat, qui n'est qu'un débat d'orientation budgétaire, c'est-à-dire sur les grands fondamentaux de notre collectivité. Notre choix, il est simple. C'est d'avoir le sérieux. Le sérieux budgétaire, en disant, nous pouvons investir car les taux sont bas. La stabilité de notre fiscalité, de la taxe foncière, c'est sur celle-là qui est la principale à la ville de Montpellier, stabilité des taux. Maîtrise des dépenses de fonctionnement naturellement, mais des dépenses de fonctionnement qui traduisent des engagements. Le périmètre du service public, des politiques publiques nouvelles et volontaristes, comme nous le trouvons dans les écoles, en faveur du sport, avec le coupon à 50 euros, dans les cantines scolaires, avec l'augmentation forte de la part du bio. Et puis, un soutien à nos agents, parce que dans ce DOB, tous les agents de la collectivité reçoivent une prime de 300 euros en ce moment. Ça, c'était avant, et puis ça va continuer, parce qu'il faut soutenir leur pouvoir d'achat. Stabilité, sérieux et engagement pour l'avenir avec un haut niveau d'investissement. Voilà comment nous le posons. Et à la question de l'évaluation, je crois que quand on est dans certains endroits de la ville, on commence à voir arriver les pistes cyclables. Dans un certain nombre d'écoles, on voit les vidéoprojecteurs. Merci beaucoup, madame, de l'avoir relevé, améliorant la pédagogie. Et puis, nous serons jugés sur la baisse de la facture de consommation d'énergie. Et là, c'est un vrai plan de marge de manœuvre. Voilà ce que montre notre DOB. Stabilité de la fiscalité, maîtrise des dépenses de fonctionnement qui engagent néanmoins des projets et un niveau important d'investissement pour être au rendez-vous de la relance, mais surtout de la qualité de vie des Montpelliérains. Je vous propose donc de donner acte que le débat a eu lieu, puisqu'il s'agit de cela, et qu'au mois de janvier, nous voterons le budget. On voit déjà ce que seront les interventions et les positions des uns et des autres. Elles sont normales de la part des listes. Voilà. En tout cas, souhaitons que la sérénité continue dans cette Assemblée aujourd'hui. Affaire numéro 3, ouverture de crédit avant l'adoption du budget primitif. Ça permet d'engager. S'il n'y a pas de demande, Madame Doulin, allez-y. Merci, Monsieur le maire. Alors, oui, sur cette affaire, donc, ça, effectivement, c'est juste pour ouvrir les crédits 2022 avant le vote du budget primitif. Et j'avais une proposition concrète et qui devrait être lancée dans les premières semaines de l'année, donc je me permets de la faire maintenant. Et qui, je pense, c'est une proposition qui fera en plus l'unanimité parmi nous, quelle que soit notre sensibilité politique. Vous le savez, il y a des élections cruciales qui vont avoir lieu dans notre pays, les présidentielles et législatives en avril et en juin 2022. Mais il y a une date très importante avant celle-ci, c'est le 4 mars. Le 4 mars, c'est le dernier carat pour s'inscrire sur les listes électorales. Et dans notre ville, mais comme ailleurs, mais quand même particulièrement dans notre ville, la participation aux dernières élections municipales, départementales, régionales, elle fait froid dans le dos. Et je crois qu'on sera tous d'accord pour le dire. J'ai fait le calcul, c'est en moyenne à Montpellier 100 000 habitants qui ne votent pas. Alors, parmi eux, bien sûr, il y a des gens qui le font par choix, mais il y en a beaucoup aussi parce qu'ils ne sont pas inscrits ou mal inscrits, parce que les démarches ne sont pas assez connues ou trop compliquées, ou encore parce que le système de procuration est trop contraignant. Alors bien sûr, les démarches en ligne, elles sont devenues un peu plus simples, mais ça ne suffit manifestement pas à motiver nos concitoyens et concitoyennes. Donc pour agir sur ce sujet, il est possible de le faire assez simplement localement, il faut s'en donner les moyens. Il y a trois enjeux selon moi. Inciter les personnes à s'inscrire sur les listes électorales de la ville où elles habitent, pour faciliter tout simplement leur vote le jour J. Inciter à la participation aux élections dans une démarche d'éducation populaire, et puis informer sur l'ensemble des démarches, que ce soit pour l'inscription, mais aussi pour la procuration, parce qu'on sait que c'est un enjeu. Pour moi, la municipalité, elle est vraiment dans son rôle lorsqu'elle décide d'améliorer l'information, d'inciter les gens à s'inscrire et à faciliter ces démarches. C'est le sens de ma proposition. Et c'est autour de trois axes. Le premier, c'est une campagne d'information pour l'inscription sur les listes électorales en utilisant l'ensemble des supports de la ville, le journal municipal, les panneaux JCDECO, il faut bien qu'ils servent à quelque chose, et
puis aussi tous les bâtiments publics, médiathèques, piscines, maisons pour tous, essais. Je pense que c'est nécessaire de mobiliser tous ces espaces où transitent les Montpelliérains et Montpelliéraines. Deuxième axe, ce serait de lancer cette campagne, évidemment, sur les réseaux sociaux. Les comptes Facebook, Twitter de la ville sont beaucoup suivis, donc il faut absolument lancer ça. Et puis le troisième axe, c'est évidemment d'être sur le terrain, au plus près des gens. Et donc ça, je propose qu'on organise, par exemple, des permanences d'inscription sur liste électorale à l'hôtel de ville, tenues par des officiers d'état civil, sur des horaires qui soient peut-être un peu décalés, un 18h-20h. On peut aussi imaginer les faire dans les maisons pour tous, voilà, aux horaires de fréquentation, pour s'assurer que l'ensemble des Montpelliérains et Montpelliéraines vont avoir plusieurs appels d'ici le 4 mars pour dire « inscrivez-vous sur liste électorale, inscrivez-vous là où vous vivez ». Ça me semble être un message relativement simple. Alors on peut attendre une campagne éventuellement nationale de l'État. On espère que l'État déjà sera en capacité d'envoyer les professions de foi à tous les concitoyens et concitoyennes. Donc en tout cas, je crois que sur ces mesures, enfin, voilà, c'est des moyens simples et efficaces qu'on peut mettre en place facilement, localement. Et donc, je suis disponible pour travailler sur ce sujet si besoin. Merci pour vos réponses. Alors, c'est sans doute pas lié à l'affaire parce que c'est des grandes lignes, mais évidemment, nous avons prévu une campagne de promotion, d'inscription sur les listes électorales par la municipalité. C'est absolument essentiel. Il y a deux rendez-vous démocratiques majeurs avec l'élection à la présidence de la République, d'une part, et les élections législatives, d'autre part. Donc ça, nous l'avons anticipé, bien évidemment avant la date du 4 mars. Par ailleurs, c'est l'occasion de saluer l'ensemble des agents d'état civil qui, précisément, sont très mobilisés et depuis longtemps s'organisent, parce que la dernière semaine, en général, il y a de l'affluence. Donc la position de la campagne va être un peu plus tôt pour essayer de faire en sorte que, y compris leurs propres conditions de travail, ne se pas une trop grosse surcharge de travail, même s'ils s'y préparent. C'est une dimension indispensable. Et donc, ça, c'est dans les crédits de communication de la ville que s'opère cela. Et l'ensemble des supports, évidemment, en feront la promotion. Quant à l'information relative aux procurations, elle est un petit peu déconnectée, puisque il faut informer sur la possibilité de laisser procuration, mais ce sera la seconde campagne après la date limite d'inscription sur les listes électorales. Ça peut participer effectivement à favoriser la participation de tous et de toutes, et en particulier des jeunes et des étudiants qui auraient peut-être des impossibilités de pouvoir rentrer chez eux à ce moment-là, compte tenu des circonstances. Donc nous allons y travailler. Mais je crois qu'un des éléments qui favorise aussi la participation, si vous me permettez, c'est aussi la dignité et l'exemplarité du débat public. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vous abstenez ? Adopté. Affaire numéro 4. Nous revenons au sujet important de la prise en compte des femmes dans notre ville. Madame Nakhim. Merci, monsieur le maire. Les femmes ont besoin d'un lieu d'accueil, de proximité et d'information. Un lieu d'éducation à l'égalité, un lieu valorisant la créativité féminine. Ce serait également une vitrine de la diversité associative, un lieu ressource qui apporterait une expertise à l'ensemble des partenaires du territoire. Ce lieu pourrait en effet accueillir la résidence d'associations spécialisées, ainsi que des espaces de travail partagés en valorisant la mutualisation des synergies sur le territoire de la ville et de la métropole. Cette maison du droit des femmes et de l'information serait aussi un lieu ressource pour les particuliers, les entreprises, les collectivités. Il sera possible de s'y former et d'y organiser des sensibilisations pour tous les publics. Seront associés à cette réflexion le CCAS de Montpellier, le collectif Gisèle Halimi, les ACM, la CERN, les partenaires de la ville ainsi que les services de l'État, la police, la justice. Nous rechercherons toutes les ressources nécessaires pour une telle démarche. Comme vous le voyez, différents scénarios sont possibles. Cette étude soutenue par nos partenaires que sont la région et l'État nous permettra d'affiner cela. La rédaction du cahier des charges et l'appel d'offres sera finalisée fin décembre 2021 pour une publication de l'appel d'offres au premier trimestre 2022. L'étude devra être réalisée et rendue par le prestataire au plus tard en novembre 2022. Je vous remercie. Madame Doulin, allez-y.
Oui, très rapidement, bah évidemment, je soutiens cette initiative. Hein. C'était d'ailleurs dans le programme que l'on portait d'avoir une maison de l'égalité. Et je trouve ça très bien de cette démarche d'étude hein, pour bien analyser les besoins et y répondre convenablement. Ceci dit, j'ai l'impression que dans la procédure, vous avez prévu du coup de valider très rapidement ce cahier des charges. Est-ce que vous avez consulté du coup les associations, enfin, est-ce qu'elles ont été impliquées dès la rédaction du cahier des charges et pas seulement lors de la phase du coup d'étude? Voilà, c'était juste pour avoir des éléments sur le process. Merci. Demande de prise de parole. Donc sur l'intervention qui vient d'avoir lieu, on a installé le collectif Gisèle Halimi. Donc, qui permet d'organiser la parole, la discussion sur toutes les problématiques de la place des femmes dans la ville de Montpellier. C'est un travail très précieux qui doit être remercié. Donc, l'idée quand même de cette étude, c'est de les rendre partie prenante dans la définition du futur projet. Voilà comment ça se passe. On lance la consultation pour pouvoir en avoir un résultat assez rapide. Je voudrais le dire ici. Un des sujets qui nous préoccupe beaucoup, c'est la montée des violences intrafamiliales, qui est un phénomène national. Alors, il monte, il y a heureusement plus de plaintes. Ça dit que les femmes se sentent victimes et doivent être reconnues comme victimes et que justice soit rendue. Mais c'est aussi les conséquences de la crise que nous traversons, qui génère énormément de tensions et des comportements absolument inqualifiables d'hommes à l'égard de femmes. Et donc, ce travail-là, enfin, ces enjeux-là, nous les portons. Hein, ça s'inscrit, cette étude, elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble en faveur de la place des femmes dans la ville. Je parlais tout à l'heure de la tarification à la cantine pour les femmes seules avec enfants. Je voudrais évoquer ici la formation première en France. Le procureur Bellargent était venu ici pour que notre police municipale, la police nationale, les contrôleurs puissent lutter contre le harcèlement de rue. Nous avons, dans la critérisation des logements sociaux, fait en sorte que, quand on est une femme seule avec enfant, nous puissions évidemment être prioritaires, même s'il y a énormément de demandeurs. Quand je dis ça, voilà, on sait que c'est très long, parce qu'il faut produire du logement social, et c'est un enjeu très important. Donc ça s'inscrit dans une démarche globale. Fédérer les acteurs, trouver des solutions pour les associations, pour leurs locaux. C'est notamment, et je veux le dire, en face de l'École des Beaux-Arts, les nouveaux locaux du planning familial, qui jouent un rôle essentiel dans l'accès à la contraception des jeunes femmes. Ce sera bientôt le soutien au mouvement d'Uni, qui joue un rôle essentiel pour les personnes qui sont prisonnières du système prostitutionnel et qu'il faut accompagner quand elles sortent de la prostitution. C'est ce que nous faisons quand, avec le procureur de la République, il y a des logements dont nous devons taire la cartographie, qui permettent, quand des femmes subissent ces violences, soit elles bénéficient d'une mesure de protection, soit le conjoint violent est exfiltré du domicile pour être placé dans un autre lieu. Voilà, nous essayons, c'est tout le travail sur la précarité menstruelle, dont beaucoup d'associations s'impliquent et que nous nous efforçons de soutenir. C'est demain au centre Gisèle Halimi à La Mosson, tout un travail sur les questions de santé, et en particulier de santé des femmes, que nous allons poser. Là où il se trouve aussi, pas très loin, le centre de planification dans l'agence de solidarité du département. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces points, et donc cette étude, elle va nous aider à définir comment mieux agir, mieux fédérer. Voilà, car ce sont des questions qui sont essentielles, où les uns les autres, je crois, les convictions sont communes, la question des inégalités, mais il faut qu'on arrive à avoir des seuils de progression beaucoup plus forts. Voilà l'esprit de cette délibération, c'est une délibération d'études qui doit conduire ensuite à des projets, c'était nos engagements. Je propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup pour l'unanimité. Ensuite, affaire numéro 5. Voilà, Montpellier pour l'égalité, c'est le concours Pocket Film. C'est une reconduction de dispositifs avec un certain nombre de prix, notamment en direction des plus jeunes pour qu'ils s'impliquent. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Je mets aux voix.
Même vote. Même vote. Attribution de subventions de fonctionnement aux associations culturelles. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Je mets aux voix. Même vote. Même vote. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai pas pris le bon truc. Merci. Donc, ne prennent pas part au vote, Mme Akbar Ali, moi-même, Mme Fraîche, Mme Jiménez, Mme Janin, M. Lévitin, Mme Nakim, M. Paterno, Mme Robin et Mme Serrano. Même vote, sous réserve de cette non-participation. Adopté. Mme Sora, certificat d'économie d'énergie. Énorme chantier et énorme travail accompli. Oui, tout à fait. Merci, Monsieur le maire. En préambule de la présentation de cette délibération, il est sans doute un petit peu utile que je vous présente de façon assez synthétique le fonctionnement de du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc, par période de 3 ans, l'État impose aux fournisseurs d'énergie et aux distributeurs de carburant de réaliser un certain volume d'économie d'énergie. Et ce niveau d'obligation est matérialisé par des certificats d'économie d'énergie. Donc plusieurs solutions s'offrent à ces fournisseurs pour atteindre les objectifs. Je vous passe la liste, mais celui de faire appel à un marché d'échange qui est comparable dans son fonctionnement au marché carbone est très souvent sollicité, où ils peuvent donc acheter de ces certificats. Un certificat, qu'est-ce que c'est? C'est un document qui mesure en kilowatts, cumac, bon, c'est un peu particulier, l'économie d'énergie, en tout cas qui est générée par une opération soit de travaux, soit d'installation d'un dispositif énergétique utilisant une ressource renouvelable. Vous en avez parlé tout à l'heure, puisque nous avons un grand plan de transformation des chaufferies pour nos écoles. Il existe une liste exhaustive de tous les dispositifs et de toutes les opérations qui sont éligibles pour se voir attribuer un certificat. Donc pour valoriser ces certificats, les collectivités ouvrent un compte au registre national des certificats d'économie d'énergie. Il s'agit d'une plateforme. Elles y déposent leurs certificats liés aux travaux qu'elles ont réalisés sur leur patrimoine. Je tiens à disposition la liste, alors non pas de Prévert, mais des travaux qui constituent le dépôt des CE de cette délibération. Ensuite, les collectivités négocient un prix d'échange auprès d'un acheteur. Donc on comprend très vite que les CEE représentent un levier financier et un outil de financement de la transition énergétique et de la maîtrise des énergies pour les collectivités territoriales. En ce qui concerne la ville de Montpellier, dans le cadre de notre trajectoire écologique, il est essentiel de garder en tête que plus nous définissons la stratégie d'intervention, plus nous réalisons une évaluation des besoins d'investissement, mieux nous identifions les opérations éligibles à ces certificats, plus efficiente sera notre action en matière de sobriété énergétique et de pilotage des rénovations du patrimoine municipal. C'est tout le sens de certains éléments qui figurent au DOC de ce jour, à propos notamment de notre ambition pour une flotte de véhicules décarbonés, vous en avez parlé, à propos aussi de la rénovation bâtimentaire des écoles, des cantines, des gymnases, des maisons pour tous, des équipements culturels. Il est aussi très important pour moi de vous donner comme information qu'il existe aujourd'hui des certificats d'énergie d'économie d'énergie, pardon, fléchée précarité énergétique, ce qui va constituer un des chantiers auxquels notre collectivité doit s'atteler, mais bon, je vous en reparlerai bientôt, puisque j'ai souhaité que ce chantier autour de la problématique énergie bouclier social figure en bonne place dans ma feuille de route. Pour en revenir à la délibération numéro 7, 6, je ne sais plus, je vous propose donc d'approuver le principe de cession des certificats d'économie d'énergie déposés par la ville de Montpellier à hauteur de 8 976 083 kWh cumac, dont plus de 3, je vous tenais à le dire, plus de 3 millions depuis le début de notre mandat, pour un montant de 58 000 euros, d'approuver la signature de l'acte de cession ainsi que tous les documents relatifs à cette affaire. Je vous remercie. Y a-t-il Monsieur Lévita? Mais juste pour souligner que c'est un domaine dans lequel la ville de Montpellier travaille depuis fort longtemps. On a un service qui est particulièrement dynamique. Ça a été créé il y a plus de 20 ans. Et donc là, ce sont des dossiers qui ont été déposés entre 2017 et 2020. Donc vous êtes dans la continuité. Je ne peux que vous en féliciter. Ouais, je partage votre intervention, parce que moi, quand je siégeais dans l'opposition, je trouvais ça particulièrement inconvenant
de considérer que tout ce qui avait été fait auparavant n'était pas bien. Bien sûr, il y a des grands acquis dans cette ville, et le travail, et qu'il me soit permis publiquement de lui rendre un hommage, de Michel Irigoyen, qui fait valoir légitimement ses droits à la retraite, a été absolument remarquable et a su accompagner un certain nombre d'élus. Et je peux vous dire, il passe très bien le flambeau, et ce qui permet à Mme Saura de pouvoir poursuivre et amplifier. Et elle a notamment fait référence à la décarbonation de la flotte de véhicules. Ça va être un élément majeur de transformation, de protection aussi de nos agents qui étaient exposés à des polluants. Je pense là notamment aux collègues des espaces verts. Voilà, ça, c'est un levier essentiel. Nous avons fêté d'ailleurs les 10 ans de l'hôtel de ville, où nous avons pu à ce moment-là aussi relever que ce bâtiment, un bâtiment imposant, avait été relève d'une exemplarité pour l'époque en matière de sobriété énergétique et de production énergétique. Et au Conseil de métropole, on a abordé ces sujets. Mais vous avez raison, il faut savoir reconnaître. Et enfin, en tout cas, j'essaye de le faire régulièrement, je crois. C'est d'ailleurs pour ça que je tenais à ce que vous soyez représentant de la ville dans nos universités. On peut avoir des appréciations différentes, mais faire confiance, et tout le monde est partie prenante. Et ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure, sur la liste électorale, c'est important, et nous montrons un groupe de travail avec l'ensemble des composantes du conseil municipal pour mieux agir pour l'inscription sur les listes électorales, pour que nous puissions travailler collectivement, car au-delà de nos appréciations différentes, la promotion de la citoyenneté, l'exercice démocratique doivent être importants. Donc là, je propose qu'on lance la campagne, parce que les choses ont été prêtes, mais il y aura un temps de travail, parce que ça mérite d'être posé, carte sur table, carte des bureaux de vote, pourquoi, quels sont les facteurs qui font qu'il y a faible inscription, et donc on le délibérera deuxième trimestre de l'année. Voilà. On peut travailler ensemble, hein, n'étant pas d'accord. C'est d'ailleurs l'intérêt de Montpellier et des Montpelliérains. Je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote, unanimité. Monsieur Cotte, sur l'affaire numéro 8, très importante, notre dispositif de prévention. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Alors, effectivement, c'est une délibération qui vise à approuver un conventionnement entre la ville de Montpellier et l'État pour la création d'un service de médiation sociale. Alors, c'est quelque chose qui est évidemment très important. Vous le savez, monsieur le maire, la politique que nous conduisons depuis le mois de juillet 2020, une politique en matière de tranquillité publique qui repose évidemment sur la régulation et évidemment bien souvent et à regret sur la répression d'un certain nombre de comportements, mais une politique de tranquillité publique, c'est une politique aussi qui travaille sur la prévention. Et à cet égard, la ville de Montpellier ne disposait pas d'un service de médiation sociale, donc c'est un dispositif, nous profitons d'une demande de l'État pour le quartier de reconquête républicaine de la Mosson. Je signale que nous étions déjà en phase de discussion et de réflexion pour construire un service de médiation sociale à la ville de Montpellier. Ça prenait un peu de temps, évidemment, en termes d'ingénierie technique. Et là, évidemment, la demande de l'État nous permet d'accélérer et d'aller très vite sur la Mosson. Ces six médiateurs qui sont en phase de recrutement, qui seront évidemment formés, et je souligne le rôle fondamental pour nous accompagner de France Médiation, qui va permettre effectivement une réelle formation professionnelle, une certification et une professionnalisation de ces agents, seront donc dédiés au quartier Mosson. Ils travailleront autour de trois axes très importants. D'abord, le règlement à l'amiable d'un certain nombre de conflits. Bien évidemment, on ne peut pas envoyer la police municipale ou nationale dans ce genre de choses-là. Ensuite, évidemment, et c'est très important, et on parlait de la qualité du travail de nos agents, et je pense que beaucoup de nos agents demandent à pouvoir travailler aussi en tranquillité et en sécurité. Et un des axes fondamentaux, ce sera évidemment les équipements de proximité, les équipements publics. Ces médiateurs seront présents devant, dans les maisons pour tous, dans les médiathèques de ce quartier, au théâtre Jean Villard en particulier, et tous les équipements et devant les écoles. Et c'est évidemment très important parce que cela participera d'un apaisement global de tensions que nous y être présents, parce que ces chantiers vont évidemment engendrer un certain nombre de nuisances bien compréhensibles, nuisances sonores, et il faudra aussi être là pour accompagner à la fois les habitants et les entreprises qui sont actives
sur ces chantiers. Donc voilà cette ambition. Ils sont déjà en phase de recrutement. Nous avons fait des jurys et le service sera en œuvre pour être complet au premier trimestre 2022. Je vous remercie. De parole sur ce volet, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Adopté. Affaire numéro 9, parole est à M. Nosbé sur la réserve citoyenne. Fait un travail remarquable. Bien, merci M. le maire. M. le maire, mes chers collègues, les deux affaires que je vais vous rapporter, en l'occurrence l'affaire 9 et l'affaire 10, je me permets de les grouper puisqu'il s'agit en réalité du même objectif, c'est-à-dire une convention entre notre ville et deux partenaires sur des questions de sécurité civile, le SDIS et la Croix-Rouge. Cette réserve citoyenne que nous avons mis en place, que vous avez votée, est une proposition que notre liste a portée pendant la campagne et que nous avons concrétisée, une proposition de plus que nous avons réalisée. C'est lors de l'appel à candidature pour la constitution de cette réserve, plus d'une centaine de Montpelliérains ont répondu présent. Plus d'une centaine d'entretiens ont été menés par Sébastien Cotte, moi-même et les services de sécurité civile, fonctionnaires du service auquel je tiens à rendre hommage ici parce qu'ils ont fourni un travail important. Ils ont dû faire face à une charge de travail à laquelle ils ont dû immédiatement se préparer et en tout cas le travail a été bien mené. Puisqu'au bout du compte, aujourd'hui, cette réserve citoyenne, cette réserve communale de sécurité civile de la ville de Montpellier est constituée de 54 citoyens, 27 hommes, 27 femmes, de 20 à 70 ans, et ils sont opérationnels. Ils ont servi le 14 juillet pour orienter le public et les renseigner. Ils ont servi lors de l'Antigone des associations, toujours en support au service de la ville pour orienter et renseigner le public. Ils servent en ce moment lors des hivernales, toujours sur une base de volontariat. Ils ont également été présents au CCAS cet été pour actualiser l'annuaire des bénéficiaires du plan canicule. Et ils ont été aussi présents sur le terrain, sur plusieurs endroits de la ville, pour informer les citoyens de la ville sur le dit crime. Enfin, ils vont servir également le soir du 24 et du 31 décembre. Ils seront présents dans la cellule d'écoute avec nos partenaires du SDIS et de SOS Amitié pour répondre aux personnes, aux Montpelliérains qui se sentiront seuls ce soir-là et avec qui ils pourront échanger. Donc voilà. Mais cet engagement des citoyens de la ville, elle vaut aussi pour nous engagement de les former. C'est l'objet de ces deux conventions avec le SDIS donc, et avec la Croix-Rouge pour améliorer leur expérience, améliorer leur capacité d'intervention pour qu'ils soient le plus opérationnels possible. Donc je ne doute pas que nous aurons un vote unanime. Je compte en tout cas là-dessus de mes chers collègues sur ces deux affaires. Je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions éventuelles. Beaucoup, Monsieur Nosbé. Y a-t-il des demandes de prise de parole, Monsieur Cotte? Oui, Monsieur le maire, chers collègues, juste un complément effectivement à ce que vient de présenter mon collègue Yvan Nosbé pour informer aussi que ces réservistes sont aussi présents au centre de vaccination. Ils sont mobilisés depuis sa réouverture. 10 d'entre eux pour le moment à la salle des rencontres de l'Hôtel de Ville qui ont pour mission d'accueillir le public, de l'orienter, de faire événement, de répondre au téléphone, prendre un petit peu de temps pour bien orienter les gens qui souhaitent se faire vacciner. Et c'est aussi un très bel exemple de cette mobilisation qu'ils peuvent nous apporter en soutien évidemment à nos personnels administratifs. Voilà, c'était important de le rappeler parce qu'ils sont aujourd'hui au travail dans cet hôtel de ville. Merci beaucoup, Monsieur Cotte. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, oui, vous l'avez dit, Monsieur Nosbé. Nous avons donc la réserve citoyenne le soir de Noël et du Réveillon. Tient une ligne d'écoute téléphonique en partenariat avec le SDIS et SOS Amitié pour pouvoir recevoir pour tous les Montpelliérains qui sont situation de solde, de fragilité psychologique. L'année dernière, ça avait joué un rôle très précieux. Alors, la question n'est pas le nombre, la question est la qualité de la relation qui est donnée. Et c'est un exemple de la réserve citoyenne qui, au-delà de ça, permet de développer la culture du risque. Vous avez pu activer quand on a eu la question de la canicule auprès des bénéficiaires du CCAS. Et c'est un très beau dispositif. En tout cas, tous les bénévoles concours à une ville plus solidaire et plus fraternelle.
Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Unanimité. Affaire numéro 10, c'est lié. Même vote. Même vote. Madame McBarrelly, convention d'objectifs relative à une action de soutien à la parentalité, la ville et la CAF, et la, pardon, et la PMI, excusez-moi. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Merci, monsieur le maire, de me donner la parole. Chers collègues, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de vous présenter en fait les trois délibérations, la 11, la 12 et la 13, sont des délibérations qui s'inscrivent dans la politique de la petite enfance. Et si vous le vous voulez bien, je vais vous présenter, proposer le contexte de ces délibérations dans cette politique. Alors, vous le savez, nous avons 10 enfants par jour qui naissent à Montpellier, qui naissent et qui résident à Montpellier. Et la politique de la petite enfance est une politique qui se doit d'accompagner les évolutions de la société. Cela a été évoqué en conseil, c'est une politique aussi d'importance dans l'égalité hommes-femmes au sein de la famille, notamment. Un petit rappel, en 1970, 24% des femmes qui avaient deux enfants travaillaient. En 1990, elles étaient 75%. Et on voit, cette politique de la petite enfance est absolument essentielle pour cette émancipation des femmes et leur possibilité de s'émanciper, notamment dans le monde du travail. Alors, au niveau du territoire, notre politique de la petite enfance doit faire face à des évolutions également, des évolutions démographiques, les évolutions sociologiques, une augmentation importante des familles monoparentales, un tiers, des évolutions économiques également, avec, M. Martin l'a rappelé, 27% des familles qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et toutes ces évolutions, eh bien, elles nous obligent, Monsieur le maire, chers collègues, à mener une politique de la petite enfance qui soit réellement ambitieuse. Alors cette ambition, elle se traduit quantitativement par notre volonté de créer plus de 300 nouvelles places nettes d'ici la fin du mandat. Outre cette ambition, nous souhaitons également soutenir de façon forte les crèches associatives qui représentent une offre extrêmement importante, une offre d'accueil extrêmement importante sur notre territoire. C'est pour cela qu'il y a un an, nous avions proposé un soutien fort à ces associations avec une délibération que vous avez tous votée à 2 millions d'euros. Un soutien qui a été, je le précise, unanimement salué par les acteurs associatifs de la petite enfance. Et la délibération 13 que je soumets aujourd'hui s'inscrit dans cette volonté de soutien en proposant une convention de location aux locaux de la crèche Tom Pouce. Alors au-delà du mode d'accueil, il nous semble également essentiel de se mobiliser pour favoriser le soutien à la parentalité. Un soutien dont tout parent doit bénéficier, mais on le sait, est d'autant plus crucial pour les familles en situation de précarité. Et c'est pour cela qu'en partenariat étroit avec la PMI, nous proposons aujourd'hui une délibération qui va permettre à la ville de Montpellier de réserver des berceaux pour les familles en grande fragilité, préalablement ciblées par les services de la PMI. Enfin, troisième point, donc il s'agit là, pardon, de la délibération numéro 11. Et enfin, notre équipe a pour évidemment l'ambition de développer une politique de la petite enfance qui s'adresse à toutes les familles et pas seulement celles qui bénéficieraient d'un mode d'accueil. Et c'est pourquoi, et de façon inédite, la délégation petite enfance intègre de façon appuyée la délégation de la place de l'enfant et du tout petit dans la ville. Et cette délibération numéro 12 s'inscrit dans cette ambition en proposant de soutenir une association qui intervient à l'hôpital avec l'honorable mission d'apporter un mieux-être aux enfants hospitalisés et à leurs familles. Voilà, je vous remercie. Madame Agbarali, pour la présentation des trois affaires petite enfance dont l'ensemble des collègues ont pu prendre connaissance, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole dessus ? Ok, je me permets de vous saluer et de signaler le travail remarquable qui a été fait sous votre impulsion et avec l'ensemble des agents sur la semaine de la petite enfance. On a pu, tous les professionnels ont travaillé ensemble sous forme d'ateliers pour mettre de la transversalité au service des 1000 premiers jours, si déterminants pour l'avenir des enfants. Et puis, nous avons vécu un moment qui fut assez fort avec l'ensemble des assistantes maternelles
qui ont été réunis ici dans la salle des rencontres, avec lesquels on a pu échanger sur leur rapport à la ville, parce qu'elle joue aussi un rôle très important dans la prise en charge des enfants, plus des crèches actuelles et des 300 places à venir, et donc de travailler ensemble. Et ça, ce dialogue a été très fécond sur notamment les questions des aires de jeu pour les enfants dans les parcs. Et le futur, enfin le parc René Dumont à Saint-Roch, dans le quartier dit du Nouveau Saint-Roch, eh bien, sera un parc couvert, enfin pas couvert, hein, pas intégralement, mais dédié à un certain nombre d'aires de jeu qui favorisent l'éveil, qui favorisent l'autonomie et puis surtout qui seront inclusives. Ce sera notre première aire de jeu inclusive permettant de prendre en charge les enfants en situation de handicap moteur, d'autisme, et que nous puissions, dès les premiers jours de la vie, les premières années de la vie, faire société, que les enfants apprennent à jouer, à rire ensemble. Et donc, au printemps prochain, là, les derniers choix par les équipes d'aménagement sont en cours. Et c'était une très forte demande des assistantes maternelles. Et ce dialogue nous a permis de réviser des projets où on n'avait pas forcément toute l'expertise. Et je crois que ce sera bien. Et puis, quoi de plus beau qu'un parc envahi par les enfants? Voilà. Et il y aura bientôt une école aussi, même nombreux costes. Mais ça, on vous en reparlera sur sa localisation exacte. Ce sera pas dans... Enfin, ça se... commencera à se matérialiser dans les choix budgétaires. Je propose de mettre aux voix l'affaire 12, qui est contre, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote. Adopté. Affaire 13, même vote. Affaire 14, j'ai oublié la 11, je vais aller trop vite. La 11, qui est contre, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote. Adopté. Affaire 14, c'est les conventions de mise à disposition des salles des maisons pour tous auprès d'un certain nombre d'associations. Ne prennent pas part au vote, Mme Akbar Ali, Mme Dombrecos, Mme Marin Coury et M. Nosbé. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Affaire numéro 15, convention de mise à disposition de locaux associatifs en créneau horaire. Voilà, c'est un certain nombre d'associations et donc elles sont exonérées du paiement de loyer. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Adopté. Affaire numéro 16, M. Laoukiri. Est-ce qu'il y a des questions auprès de lui sur le rapport politique de la ville? Dire un mot? Oui, merci, monsieur le maire. Rapidement, c'est juste deux spécificités sur ce rapport qui, depuis 2020, donc on a changé un petit peu notre approche sur ce bilan à travers trois approches, une thématique territoriale et financière. Et nous avons fait ce choix afin de présenter donc d'avoir une connaissance plus complète et plus précise des actions mises en œuvre dans le cadre du contrat de ville. Donc il n'est pas exhaustif. Juste une phrase importante, c'est que ce bilan financier fait état d'un engagement financier de l'ensemble des partenaires de près de 4 millions d'euros. Et nous continuons sur cette voie et nous essayons. Alors, autre spécificité, c'est que c'est un bilan qui tient compte aussi de la crise sanitaire qui a mobilisé énormément les services de la ville, mais aussi et surtout les partenaires associatifs que je tiens vivement à remercier. Monsieur Laoukiri, sur à la fois votre travail, les mots que vous avez eu pour les acteurs associatifs, deux petites informations. On a failli perdre la dotation en investissement politique de la ville car les crédits n'étaient pas consommés. Donc là, une exigence qui a été posée avec l'administration, il faut faire pour que 4 millions d'euros d'investissement, on puisse les recevoir. J'avais reçu une alerte du préfet Witowski à l'époque. Donc là, ça va se matérialiser. Deuxièmement, il y aura l'inauguration du centre Gisèle Halimi au premier trimestre 2022, où les équipes commencent à s'y installer. Et c'est là où se trouvera pour accompagner le développement de l'emploi et d'entreprises le BIC, les sujets de santé qu'on a évoqués tout à l'heure en partenariat avec la Caisse primaire, et donc qui va jouer un rôle important. Nous avons, et ça doit être dit ici, réorganiser l'administration en créant une mission territorialisée sur le secteur Mausson-Cévennes. Et cette mission territorialisée permet de gagner en efficacité, donc en marge de manœuvre, des politiques publiques sur ces territoires. Et c'est M. Guillermo, je m'autorise M. Nice à le citer et à le saluer d'ailleurs, qui en assure
la mission pour que nous puissions être le plus efficaces possible. Le 24 janvier, je me rendrai à Paris pour le comité d'engagement auprès de l'ONRU pour obtenir les crédits nécessaires à la fois sur la rénovation des copropriétés sur lesquelles nous sommes engagés et pour avoir l'extension du périmètre de l'ANRU sur Saint-Paul, conformément aux engagements du président de la République lors de sa venue, d'une part, et d'autre part, confirmé par le Premier ministre. Je dis ça parce que je vois qu'à Marseille, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc à Montpellier, il faut que la parole de l'État soit tenue. Donc il faut qu'on y veille pour étendre l'ANRU sur le secteur Saint-Paul, ce centre commercial qui a besoin d'être requalifié ou sur lequel nous voulons y installer des futures halles. Et je voudrais bien préciser, ça a été évoqué à travers les dispositifs de médiation tout à l'heure, fin 23, il y aura le commissariat mixte de la police municipale et de la police nationale pour renforcer la présence de l'autorité publique dans ce secteur et les dispositifs de médiation que M. Cotte a présentés pour accompagner la prévention de la délinquance, qui est un sujet important, et de participer à informer la population, ce que nous ferons à travers des réunions publiques, les habitants des chantiers qui commencent, et la tour d'Assas tombera bien fin 2024, ou plutôt elle ne tombera pas, elle sera grignotée pour pas trop impacter la vie des habitants, enfin ce serait extrêmement contraignant. Donc ça permettra de requalifier les espaces publics devant, et en particulier, j'ose espérer que d'ici là, on aura réussi par les réponses de police et de justice sur le marché illégal de la Mausson, parce que nous avons là encore un sujet qui déstabilise l'armature commerciale existante. Monsieur Jaouari, vous m'aviez saisi là-dessus, et deux opérations importantes de police ont eu lieu. Et je sais que, même si nous y reviendrons. Alors, on saisit moins qu'avant. Avant, on faisait 24 tonnes. Bon, là, on est plutôt à 700 kilos. Mais il y a un vrai sujet. Il faut continuer. Quand j'ai lu que certains expliquaient que c'était normal de pouvoir vendre comme ça, ben, voilà, c'est pas raison. Donc voilà, sur ces sujets du rapport politique de la ville, c'était l'occasion de faire un point d'étape là-dessus. Et donc, y compris à la métropole, où il y a des crédits de cohésion sociale figurent, nous présenterons un effort budgétaire qui ne pourra pas être démesuré, mais accru pour accompagner l'ensemble des acteurs, parce que ce rapport nous commande d'agir, parce que la paupérisation de ces quartiers est encore très forte, et les phénomènes de communautarisation doivent nous alerter. C'est un enjeu républicain, c'est un travail de long terme, ça ne serait pas en un jour, mais nous avançons. Et merci de votre engagement. Il faut prendre acte. Madame Dombrecoste, sur la modification de la carte scolaire. Merci. Les deux affaires, peut-être. Les deux affaires, je vais laisser Madame Boutet-Weiss, ma collègue, présenter ces deux affaires. J'insisterai juste sur la méthode de travail sur ces deux dossiers qui sont importants, puisqu'on parle de carte scolaire. Simplement préciser la méthode que nous avons souhaitée. C'est une méthode de concertation et de co-construction avec l'Éducation nationale, avec lequel nous avons établi un vrai rapport de proximité et de confiance, mais également avec la communauté éducative, les directeurs d'école et bien sûr les familles qui ont été pleinement associées tout au long de ce travail. Je laisse Madame Boutet-Weiss préciser. Madame la Première Adjointe, Monsieur le Maire, chers collègues, merci. L'affectation des enfants dans les écoles est une compétence majeure de la ville, une compétence pleine et entière. Le Code de l'éducation prévoit que chaque secteur d'école est arrêté par le conseil municipal, par une délibération du conseil municipal, et l'inscription de l'enfant se fait dans ce secteur au plus près de son domicile. Nous vous proposons pour la rentrée 2022, suite au travail qui a été expliqué par Madame Dombrecoste, deux modifications pour la rentrée 2022. Une première, suite à l'ouverture du groupe scolaire Lucie Aubrac, Samuel Paty, qui devient l'école de proximité des habitants du quartier Tournesy, et qui permet également aux nouvelles familles qui sont déjà arrivées et qui vont continuer d'arriver dans ce quartier en évolution, d'avoir un groupe scolaire de proximité. Le projet
présenté permet également d'alléger les effectifs de 3 autres groupes scolaires du périmètre élargi qui étaient proches de la saturation. Deuxième proposition de modification de la carte, le bas du quartier de la Mosson, entre 4 groupes scolaires, les écoles maternelles de 4 groupes scolaires, dont l'une d'entre elles, l'une des 4, est saturée alors que les 3 autres sont en sous-effectif. La carte scolaire est déterminée par des numéros de voirie correspondant à de grandes résidences importantes et nous avons modifié quelques numéros de voirie pour rééquilibrer sur l'école. Les écoles en sous-effectif qui vont prendre des élèves, des enfants qui étaient orientés systématiquement de toute façon les années précédentes et c'était récurrent. Ces projets ont fait l'objet d'une concertation et ont été présentés à tous les acteurs. Je vous remercie. Et peut-être présenter aussi l'affaire 18 oui. sur les critères d'autorisation de dérogation à la carte scolaire. Il y a donc une carte scolaire, mais il y a aussi des possibilités de dérogation à la carte scolaire. C'est un point extrêmement important, et là nous vous présentons un document cadre qui vient préciser, approfondir les critères de dérogation à la carte scolaire et au fonctionnement de la commission de dérogation. La dernière délibération sur cette affaire remonte au 31 mars 2016, donc il y a 5 ans, plus de 5 ans. Elle avait acté le renouvellement de l'inscription en cours préparatoire après l'école maternelle afin d'affecter les enfants au plus près de leur domicile, l'école de leur domicile, en cas de déménagement et de remettre à plat les adresses. Ce principe est maintenu, il n'y a aucun problème. Le maillage important des écoles, en effet, obéit à une logique de proximité et nous accompagnons cette logique, comme vous le savez, dans le cadre de notre politique de sécurisation du parcours de l'écolier. Le fonctionnement à ce jour comprend 2 commissions, au mois de mai et au mois de juin, pour examiner les demandes de dérogation pour motifs familiaux. La deuxième commission est en fait une commission de recours. Le document cadre a tiré les enseignements de la première commission à laquelle a participé notre équipe, a tiré les enseignements du fonctionnement actuel et des remontées des familles et des directions d'école et de la commission elle-même. Les nouveaux ajustements ont pour objectif de relever le niveau de précision de la procédure et des critères détaillés dans ce document que vous avez, dans un souci d'améliorer l'information des familles. De prendre en compte, une fois que les enfants du secteur sont inscrits dans leur secteur, l'école de leur secteur, car ils sont en tout cas prioritaires, d'inscrire dans le rapprochement, de prendre en compte le rapprochement de fratrie pour les cursus spécifiques et les dispositifs spécifiques qui ne se trouvent pas par définition dans toutes les écoles. J'en cite quelques-uns à titre d'exemple, les sections internationales, les classes aménagées musique, et les dispositifs d'unité locale d'inclusion scolaire, par exemple, autres dispositifs pour les élèves à besoins particuliers. De prendre en compte dans les mêmes conditions, c'est-à-dire une fois que tous les enfants du secteur sont inscrits en priorité dans leur école, la poursuite de scolarité après l'école maternelle dans le même groupe scolaire en cours préparatoire, alors qu'on remet à plat toutes les situations, dans la mesure où lorsqu'ils ont été inscrits à l'école maternelle, on les avait réorientés, faute de place, dans l'école de leur secteur. Donc on estime légitime que les familles qui souhaitent poursuivre dans le même groupe scolaire puissent le faire puisqu'on les a réorientés à l'époque. Et de prendre en compte, enfin, aussi, les situations spécifiques des nouveaux arrivants. Et c'est pour cela que nous allons instaurer une troisième commission à la fin de l'été, fin août. Une troisième commission qui n'existait pas. Et toutes ces précisions permettront aux services également de faciliter leur travail d'instruction des dossiers, de ne réserver à la commission de dérogation que les situations les plus complexes. Par ailleurs, je signale que le calendrier des demandes de dérogation a été rallongé afin de faciliter les démarches des familles. Ce cadre a été amendé en concertation avec l'Éducation nationale, avec les directions d'école fin juin et en septembre avec les inspecteurs de l'Éducation nationale des 5 circonscriptions scolaires de Montpellier. Et enfin, j'allais dire surtout, ce travail sur les demandes de dérogation et les critères a été l'occasion, pour la première fois dans la ville de Montpellier, d'engager une réflexion sur la mixité sociale à l'école.
car nous ne sommes pas sans ignorer que des demandes de dérogation sont des stratégies d'évitement. Je vous remercie. Madame Boutévaille, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Madame Doulin. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Alors, évidemment, on peut que se réjouir. Moi, je vais plutôt intervenir sur la 17, mais ça fait vraiment le lien avec votre dernier point. On peut que se réjouir de la modification de la carte scolaire qui va permettre de réduire les effectifs dans certaines classes, à la fois avec l'ouverture de sa nouvelle école et puis avec le rééquilibrage là, sur les écoles du sud de la Payade. On note aussi votre attention sur l'objectif de maintenir la mixité sociale dans nos écoles. Voilà, je crois qu'on souscrit tous à cet objectif. Et pourtant, cette nouvelle répartition dans certains quartiers, elles ne doivent pas faire oublier le problème majeur que vous mentionniez justement, c'est les stratégies d'évitement de la carte scolaire, qui sont un problème majeur. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui augmente, et peut-être d'ailleurs certaines personnes ici, dans cet hémicycle, y ont recours. Alors il est intéressant de se pencher sur les motivations finalement. Derrière ces choix-là, quand il y a eu un article de Midi Libre là, sur les stratégies d'évitement et le recours au privé, et finalement les motivations confessionnelles sont finalement assez faibles, et 70% des établissements seraient aujourd'hui aconfessionnels, c'est surtout en fait ce qui augmente, c'est l'attrait des écoles dites alternatives qui présentent aujourd'hui le plus de succès auprès des parents. Alors, ces écoles, elles se réfèrent à des pédagogies comme Freinet, Montessori, et elles suscitent un intérêt croissant. Alors pourquoi ? Parce que elles ont tout en commun, notamment la mise en place de méthodes actives partant des intérêts et des questionnements des élèves. Elles se basent sur une approche globale des savoirs. Et puis certains insistent également dans ces établissements sur la dimension de la démocratie scolaire, sur comment on développe la capacité à travailler en collectif, la coopération, l'entraide. Et d'ailleurs, toutes les études qui ont analysé aujourd'hui le fonctionnement de ces écoles, et ce qu'on peut en retenir, c'est que ces pédagogies non seulement atteignent, voire dépassent les résultats des écoles dites classiques, mais également parviennent à susciter le plaisir d'apprendre à tous les niveaux. Ces méthodes, et notamment la pédagogie Freinet, concernent également d'ailleurs des établissements publics, à condition qu'il y ait une communauté motivée qui dise au rectorat « on veut une école avec cette pédagogie ». En France, au sein des écoles publiques, il y a 60 écoles dites Freinet, et certaines sont d'ailleurs en REP ou en REP+. Par exemple, moi j'étais en école publique, en REP+, pédagogie Freinet. Moi je faisais partie du secteur, mais c'était une REP+, avec une liste d'attente. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire comment faire pour que, justement, en favorisant l'ouverture des écoles publiques qui s'inspirent de ces pédagogies, on pourra du coup rendre encore plus attractive cette école de la République, capable d'éduquer ensemble tous les élèves, quelles que soient leurs origines sociales, et de développer les valeurs de coopération et de solidarité, et on sait qu'on en a besoin. On a donc un problème, des stratégies d'évitement que tout le monde connaît, et une solution, renforcer l'attractivité de l'école publique grâce à des pédagogies nouvelles qui donnent leur chance à tous les enfants. D'où ma question, ne serait-il pas temps de se mobiliser pour lutter contre ces stratégies d'évitement de la carte scolaire, de regarder les choses en face ? Ne serait-il pas temps de soutenir des projets d'établissement qui permettent de développer les orientations pédagogiques alternatives dans certains quartiers de la ville ? Par exemple, ça pourrait être fait sur les 7 prochaines écoles que vous comptez construire d'ici 2026, et où en particulier dans les écoles où on sait que les stratégies d'évitement sont légion. Voilà. Comment on fait pour développer ces pédagogies dans ces quartiers-là ? On le sait, ce type de projet, il met du temps, parce qu'il faut mobiliser la communauté pédagogique, les professeurs, les directeurs, les enseignants, et puis les parents, et puis le rectorat. Et puis, nous, notre rôle, il peut quand même être de faciliter ces projets, et puis d'aménager éventuellement autrement les écoles ou les classes quand c'est nécessaire pour favoriser ces pédagogies. Voilà, je veux bien des éléments de réponse là-dessus. Merci beaucoup. Répondre sur un point, Madame Doulin. Vraiment, je trouve que vous soulevez une discussion intéressante. Je vais évoquer des choses. Mais c'est tellement le début de votre intervention en jetant une espèce de suspicion sur où je mets mes enfants à l'école. Moi, mes enfants, ils sont à l'école publique de secteur, là où la carte scolaire m'a fixé. Voilà. Vraiment, c'est pas nécessaire de laisser entendre que certains dérogeraient, seraient dans des stratégies alternatives. Voilà, moi, je suis professeur encore en activité, très modestement, hein, mais j'y tiens dans un collège Foncarade. Mon collègue Stéphane Jouot était à Mendès France, puis il a bougé. Enfin, pourquoi commencer par jeter une suspicion en laissant entendre que ici, chacun des
contournerait le droit. Je vous le dis vraiment avec beaucoup de... C'est pas la première fois, mais c'est pas correct. C'est pas correct. Vous avez fait une intervention dont je partage à 100% le propos sur la participation des citoyens aux élections. Vous voyez, c'est la qualité des fois de nos postures qui aide aussi les gens. Comme certains ici, vous savez, voilà, et vous m'avez déjà visé sur cela. Mais vos amis sur les réseaux sociaux, mes enfants, ils vont dans l'école publique. Et on y est viscéralement attaché. D'ailleurs, moi, des fois, on me surnomme pour ça le laïcard, vous voyez. Bon. Enfin, voilà. Si on pouvait éviter, ce serait bien. La réalité, et nous la partageons, et c'est pour ça qu'on travaille sur la carte scolaire. Et Mme Boutet-Weiss, elle est conseillère municipale déléguée à ces questions-là. Parce que, justement, la question de la carte scolaire ne peut pas être qu'une affaire de stock et de flux. C'est-à-dire, on a une école, tant d'élèves, etc. Ça va être une stratégie. Et là, avec la création, et Mme Marsala, elle est partie, mais je vous lui transmettrai, M. Lévita, qui a engagé la construction du groupe scolaire, que nous allons ouvrir, et elle sera invitée, évidemment, Samuel Paty-Aubrac va permettre, et bien placé, parce qu'elle va permettre d'éviter aux habitants de Tournesy d'aller en voiture à l'école Diderot, premier point. Donc on va améliorer la proximité, on va rendre du temps aux enfants, on va éviter ces mobilités en voiture forcées inférieures à 2 km. Voilà, donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et c'est comme ça qu'on a travaillé la sectorisation, en essayant aussi de travailler sur les indicateurs sociaux pour agir sur la mixité sociale. Très difficile, parce qu'effectivement, il existe des stratégies d'évitement. Et nous tenons à ce que ce règlement, qui a été concerté avec les représentants des parents d'élèves, avec les professeurs, il soit adopté en conseil municipal, il sera communiqué à l'ensemble des parents. Et les dérogations seront toujours motivées sur la base de ces critères. Voilà. On pose la règle, on communique la règle et on vit avec la règle. On peut avoir des appréciations différentes sur la règle et on pourra changer la règle, mais c'est très important, cette question des dérogations. Et ensuite, comment on conforte l'école publique ? Travail fin sur la carte scolaire. Mais nous savons que l'école, il faut convaincre aussi. C'est la confiance, c'est le rapport que tout parent a légitimement pour ses enfants. Est-ce qu'il va être bien pris en charge? Et là, je veux le dire avec beaucoup de clarté. L'honnêteté, Madame Doulin, mais peut-être vous ne connaissez pas, regardez ce qui s'est passé au collège Simone Veil. L'ASCAS devenu Simone Veil. C'est remarquable. C'est remarquable. Voilà, il y avait... que de l'évitement scolaire. Et d'ailleurs, un petit bonhomme du nom de Sam a été le premier, quand le collège a été transformé, fils de Madame Hart, puisqu'il était à proximité, dans la section internationale. Et aujourd'hui, on a presque 700 élèves et la mixité a été reconquise. En travaillant sur des moyens spécifiques, la filière anglo-américaine de Claudel qui s'est doublée sur le collège Simone Veil, il y avait une construction du collège avec favorisant beaucoup d'innovations pédagogiques. Et d'ailleurs, là encore, merci, je prends M. Lévita, quand le parc Saint-Clément a été la projection de l'innovation pédagogique pour la SECPA, et c'est devenu le jardin partagé, donc le collège hors les murs. Voilà, et quand on rend ça possible, on favorise l'innovation pédagogique. Et ça marche. C'est la preuve que ça marche. C'est très dur. Moi, j'étais conseiller général, j'ai porté cette action. C'est très dur, mais on peut y arriver. On ne peut pas y arriver partout comme ça, mais il faut tracer un chemin. Et tout à l'heure, quand j'ai évoqué la politique de la ville, nous avons un peu de retard dans la communication, la rénovation des groupes scolaires, parce que nous travaillons à une cartographie, pas l'école en cœur de quartier, mais en lisière, pour pouvoir travailler sur les stratégies de mixité. Et l'une des écoles qui s'appellera Hypatie, du nom de l'astronome grec, du 4e siècle après Jésus-Christ, précisément, illustrera cette stratégie. Ensuite, nous, ben, nous donnons des moyens. C'était le débat du DOB. Nous donnons des moyens pour permettre aux professeurs d'innover. Le vidéoprojecteur, ça favorise l'innovation pédagogique. La rénovation des écoles, dorénavant, est systématiquement concertée. Et à l'école Heidelberg, ils nous ont demandé une bibliothèque avec une salle de lecture pour créer
un rapport au livre. L'innovation, il y a plein de méthodes. La méthode Freinet, la méthode Montessori. Ça donne souvent lieu à des débats, d'ailleurs. Nous, notre but et le message que nous envoyons, c'est que nous sommes aux côtés de l'éducation nationale et des personnels pour qu'ils puissent pleinement exercer leur liberté pédagogique dans le respect des programmes que la nation a retenus et de les accompagner. Et d'ailleurs, plus nous avons des professeurs innovants qui innovent, mieux c'est, du point de vue pédagogique, plus nous devons répondre. C'est le travail de Mme Serrano sur l'éducation artistique et culturelle. Comment on fait l'école hors les murs? Comment on construit? Par exemple, dans la concertation en ce moment que mène Mme Saint-Martin sur quartier apaisé aux Arceaux, on imagine, alors, je le dis, il se trouve que mon fils y est. Je ne voudrais pas donner le sentiment qu'il y a conflit d'intérêts, mais l'équipe pédagogique demande si on ne pourrait pas faire école dehors, comme ça se fait dans d'autres villes. Essayons d'accompagner cela. Après, je vous le dis avec beaucoup de respect, parce que je trouve que, voilà, y compris votre propre témoignage personnel est intéressant. Ce n'est pas à nous de dire comment on fait la pédagogie. Nous, notre responsabilité, c'est de donner tous les moyens pour que la liberté pédagogique s'exprime. Et c'est à la communauté éducative d'évaluer sur ses pratiques. Et c'est vrai, quand on permet des tables en îlot, c'est mieux qu'en magistral. Voilà comment on fait la salle. Le temps scolaire, périscolaire avec le self nous permet de travailler sur un autre temps éducatif, sur les savoir-être, sur et ça à manger. Et donc, voilà comment on appréhende les choses. Et puis, enfin, et je vous le dis, hein, faut avoir confiance dans les écoles publiques à Montpellier. Qualité des professeurs. Moyens matériels. On a augmenté la dotation pédagogique de 40 à 50 euros. Tout le monde se démène, malgré la crise, pour que les enfants, ils aillent au musée Fabre, ils aillent visiter l'opéra, ils aillent à l'écolothèque. Enfin, bon, ça prendrait longtemps. Voilà, la gratuité des transports pour rendre tout ça plus facile. Le plan de soutien scolaire public laïque et gratuit, qui a permis à plein de familles de faire des économies face aux structures de cours privées et d'être soutenu. Et ça a permis de corriger, M. Monny nous l'a très gentiment dit la dernière fois dans une réunion publique, les effets du confinement. Éviter qu'il y ait des structures dont on n'avait pas la certitude de la qualité pédagogique, où parfois les enfants se retrouvent. Et là, ce sont les professeurs et ça améliore leur pouvoir d'achat. À la cantine publique, on mange très bien. On mange très bien, même si en ce moment c'est dur avec le Covid et les protocoles. Et merci aux agents. Mais tout le travail d'avoir une cuisine centrale en régie actuellement et pour longtemps, où on a fait monter le cours, le bio, où on travaille là-dessus, tout ça, c'est des facteurs d'attractivité. Et le dialogue avec l'éducation nationale pour implanter des filières, pour essayer d'avoir des éléments comme on l'a prévu dans les modalités de dérogation, c'est un élément important. Donc géographie des écoles, carte scolaire, moyens alloués à l'école publique, confiance aux enseignants. Voilà des éléments de stratégie. Et Mme Doulin, on aura d'ailleurs l'occasion peut-être de proposer, de présenter bientôt. Voilà, on discute. On veut tellement être innovant que là, on va aller même prendre un petit peu des risques. Et je voudrais saluer la qualité du travail avec l'éducation nationale. Le travail qu'a fait Mme Bouteval sur la carte scolaire, il est très important aussi. Ça n'a pas été relevé. Vous avez un enfant en maternelle, vous avez un enfant en primaire, et parfois la carte scolaire déchirait les familles, entre guillemets, par temps scolaire. Et donc là, on va être très attentif à ça. Parfois, votre enfant, c'est la vie, il est en Ulysse. On vous affectait dans une autre école, le grand frère ou le petit frère. Voilà, donc on a corrigé ça. C'est le fruit du dialogue et du reporting. Moi, je ne jette pas la pierre, parce que je sais, Mme Arsage, je me permets de vous rendre hommage sur la construction d'école, mais nous savons que c'est très difficile. Et donc là, on repose ici une règle. Mais je le dis très tranquillement, nous sommes pleinement mobilisés, enfin, le DOB le montre, les premières actions que nous avons engagées en faveur des écoles publiques laïques qu'est l'école de la République. Et les stratégies d'évitement, le journal Le Monde, le journal La Presse Nationale a montré qu'aujourd'hui, on y assistait partout en France, moi je ne m'y résous pas. Ici, personne ne doit s'y résoudre. Parce que quand les familles dépensent 300 euros pour scolariser leur enfant, ça doit être une alerte pour nous. Et la confiance, elle est dans l'école publique laïque. Et ici, résolument, nous la défendons en lui allouant des moyens, en travaillant dessus, en essayant de soutenir au mieux
les professeurs et l'ensemble des personnels et être attentif aux attentes des parents. Elles sont très, très, très nombreuses. C'est bien normal. Et on essaye de les accompagner. Madame la députée, je clôturerai le débat, mais votre présence, et vous souhaitez vous exprimer, donc je vous donne la parole quelques minutes. Merci, monsieur le maire. Juste, je vous remercie de me donner la parole. Juste pour revenir sur l'école de Tournesy et pour vous dire que dans ce quartier, il manquait un cœur battant. Et cette école va apporter ce battement de cœur qui manque tant à ses enfants, parce que quand on n'a pas d'école dans un quartier, eh bien, c'est la mort. Parce que c'est ses enfants, c'est notre avenir, c'est l'avenir de Montpellier, mais c'est l'avenir aussi de la France. Et nous avons une belle jeunesse et nous devons nous en préoccuper. Donc je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez dit. Et je suis évidemment ravie, parce que ça fait aussi partie de ma circonscription, mais surtout pour les habitants de Tournesy qui souffraient depuis très longtemps de devoir se déplacer et de ne pas avoir cette entité que peut apporter une école dans un quartier. Merci. Lucie Aubrac et Samuel Paty, qui sera ouverte à la rentrée, à cette rentrée-là. Et effectivement, ça va changer beaucoup le quotidien des familles et aussi l'image du quartier, qui va être doté bientôt de la troisième caserne sur la ville, et donc qui va renforcer la protection des populations. C'est un élément important. Il y aura à proximité la cité de l'alimentation où on va travailler sur les savoirs. Et donc, entre la transformation de la restante qui la nécessaire attention qu'on doit apporter sur ce quartier, dont parfois les habitants nous disent « on sent que ça bascule, aidez-nous », et bien là, nous apportons des réponses. Merci beaucoup de vos propos. Je propose de mettre aux voix l'affaire 17 et 18. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote ? Unanimité. Affaire 19, il s'agit des classes de découverte pour les enfants des écoles publiques pour partir dans les courts séjours. Il n'y en a pas eu en 2020 en raison du confinement. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Même vote, même vote. Affaire numéro 20, monsieur Martin, sur le Philippides et les Jeux 2024 et l'équipement sportif. Merci, monsieur le maire. Et en un mot, d'ailleurs, dire aussi que sur le collège de Simone Veil, une section sportive avec le MHR, une section basket avec le BLMA, sur Tournesy, le stade Cholet dont nous avons fait l'acquisition au dernier conseil municipal qui va participer aussi de l'émancipation. Dans les écoles, le travail des étapes, c'est les éducateurs sportifs de la ville. Donc voilà le sport qui participe à l'émancipation de nos jeunes collégiens et de nos jeunes écoliers dans toute la ville. Et donc là, sur le stade Philippines, effectivement, nous allons refaire le surfaçage de la piste qui est dans un état d'usure très avancé. En réalité, la ville de Montpellier est référencée par la Fédération française d'athlétisme comme pôle national de préparation olympique, centre national d'entraînement de spécialité et centre national d'entraînement. En fait, nous avons ce qu'on appelle le label Terre de Jeux 2024. D'ailleurs, en toute transparence et pour continuer de dire la vérité, c'est un label qui avait été accordé lors du mandat précédent. Et donc, nous pouvons accueillir des délégations olympiques et paralympiques, je le précise, c'est important, dans le cadre des centres de préparation des Jeux olympiques. Et donc, maintenant, il s'agit de prendre des décisions un petit peu urgentes, d'ailleurs, pour mettre l'outil au niveau de l'ambition pour pouvoir accueillir ces sportifs du monde entier en préparation pour les Jeux. Et nous allons donc refaire cette piste, plus d'ailleurs aussi les secteurs de saut en longueur, de saut à la perche, qui en ont besoin. Et nous allons faire le lien avec le sport pour tous, parce que c'est une piste, comme ça se fait maintenant, connectée, qui permet avec des boucles magnétiques, des ceintures, etc., de travailler l'entraînement à la fois des sportifs de haut niveau, mais aussi des sportifs amateurs de façon bien plus moderne et plus efficace qu'auparavant. Je dis parce qu'il y a un effet d'opportunité avec les Jeux Olympiques, parce que c'est un investissement de l'ordre de 750 000 euros, donc c'est très important, mais dont pourront bénéficier, bien entendu, par la suite, les clubs montpellierains d'athlétisme qui sont sur le stade Philippides, mais aussi les très nombreux Montpelliérains et les très nombreuses Montpelliéraines qui vont pratiquer la course à pied sur ce stade-là, en particulier, et je fais référence à notre débat de tout début de ce conseil, pour les femmes, parce que le stade constitue un lieu sécurisé
parce que fermé, parce que éclairé, pour pouvoir y faire de la course à pied, du jogging en toute sécurité. Et donc c'est important là aussi que ces publics-là puissent avoir un équipement à la hauteur. Je vous remercie. Merci, Monsieur Martin. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Monsieur Bélanger. Oui, non, simplement quelques mots, Monsieur le maire, chers collègues, pour saluer l'initiative de mon collègue Hervé Martin, qui a saisi l'opportunité d'obtenir des financements, notamment de l'ANS, dans le cadre de la réhabilitation de la piste d'athlétisme. Bon, comme vous le savez, le stade Philippides est un équipement sportif très précieux pour le centre-ville dont j'ai la délégation. Alors certes, la rénovation des couloirs profitera à notre champion Kevin Meyer, à nos athlètes du club d'élite, le MAM, mais aussi à tous les enfants des quartiers voisins, Boutonnet, Arceau, qui accueillent ce site accueillant de nombreux scolaires, ainsi que au public que visait Hervé Martin dans son intervention, avec des plages horaires destinées sur ce site. Délibération, elle est importante et elle participe à consolider notre vision de Montpellier comme ville sportive, ville de gymnase à ciel ouvert. Et en investissant pour le sport de haut niveau, c'est aussi le sport pour tous qui en est bénéficiaire. Merci. Ça nous permet, tout ce que vous avez dit est essentiel. Kevin Meyer se prépare pour les JO de Paris. On lui prépare des conditions pour s'y entraîner et ça profite à tous. En janvier, je me rendrai également à Paris avec François Comeyn et Emmanuel Gazelle, 7 Millau Montpellier, pour que nos trois territoires, mer, terre et montagne, soient terre de jeu. Et donc nous coopérons ensemble pour être site qui peut accueillir à la fois la préparation des athlètes olympiques et donc tirer au maximum, nous inscrire parfaitement dans la dynamique de cet événement incroyable qui aura lieu en France, qui aura lieu à Paris, mais qui doit avoir lieu partout en France et en particulier à Montpellier pour présenter cela. Et donc, c'est une occasion extraordinaire, et M. Martin s'y emploie d'ores et déjà, de mobiliser nos clubs, d'essayer d'être centre d'entraînement pour des équipes internationales qui viendraient ici, ce qui est l'occasion de dynamiser le sport et de faire de Montpellier une ville sportive comme un gymnase à ciel ouvert où on peut croiser à la fois les plus grands athlètes et se confronter à eux, pas en course, je voulais préciser cette démarche à l'ensemble des collègues, ça va être, on est dans les starting blocks, monsieur Martin. Voilà, je mets aux voix. Ah oui, pardon, madame Miralles, pardon. Allez, c'est que je ne vous avais pas vu. Juste une petite précision, vous parlez de 7 et de Millau. Je me permets de vous dire aussi que Palavas-les-Flots a été retenu comme terme d'accueil de jeux handi. Et qu'il y a un projet aussi avec l'Institut Saint-Pierre. Peut-être vous pourriez voir avec eux, je pense que c'est très intéressant, sur la construction d'un gymnase qui pourrait aussi recevoir les sportifs handi. Merci. Monsieur Martin est déjà en contact avec ça. Ça s'inscrit, on aura l'occasion de parler du handisport le moment venu, mais on est déjà en contact. Mais merci beaucoup. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vous abstenez ? NPPV pour... Ça, c'est des investissements du DOB. Adopté. Affaire 21, Monsieur Martin. Qui a des questions auprès de Monsieur Martin ? Ne prennent pas part au vote, Mme McBarley, M. Assaf, M. Bourdin, moi-même, M. Guispin, M. Lévita, M. Mansouria, Mme Ribaud, Mme Robin. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Affaire 22, attribution de subvention. Alors, ne prennent pas part au vote. M. Altrade, M. Aslanian, M. Barral, M. Bélanger, M. Bourdin, M. Calvo, moi-même, Mme Dombrecos, M. Guispin, Mme Naki, M. Paterno, Mme Robin, Mme Serrano. Mme Arsala, peut-être, non ? Non. OK. Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Affaire 23, apurement des régies. Y a-t-il des questions auprès de M. Aslanian ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? Adopté.
Affaire 24, tarif de la ville de Montpellier, année 2022. Y a-t-il des questions? C'est un changé. Ah, Mme Massard. Oui, je voulais faire une intervention sur la tarification des cantines et la politique tarifaire qui a été mise en place et vous faire de retour de quelques chiffres. Je voulais aussi rappeler surtout le rôle social de la cantine et les moyens importants qui ont été mis par la ville de Montpellier. Parce que je rappelle que ce n'est pas une compétence obligatoire, mais qui de fait est un service absolument fondamental. Donc les tarifs aujourd'hui sont basés sur le quotient familial et s'échelonnent entre 50 centimes et 4,95 €. En 2020, nous avions mis en place un tarif à 50 centimes pour les familles monoparentales bénéficiaires du RSA. Et en 2021, nous avons élargi ce tarif à des publics en grande précarité, notamment les enfants issus des bidonvilles, des SDF, des demandeurs d'asile. Et donc c'est grâce à cette politique tarifaire, mais aussi grâce à l'offre très large qui est proposée dans les restaurants scolaires de la ville de Montpellier, l'option sans porc, sans viande, et l'option quotidienne végétarienne que nous avons mis en place en 2021. Le taux de fréquentation est particulièrement important à Montpellier, puisqu'il est de 82% en 2020-2021. Mais au-delà des inscrits, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution du nombre de repas consommés. Et on a pu constater que le nombre de repas consommés était en augmentation, particulièrement pour les publics les plus précaires, pour ceux qui payent les tarifs les plus bas. Donc les tarifs à 50 centimes, on a constaté une augmentation du nombre de repas consommés, ce qui montre, là encore, la facilité d'accès pour les personnes qui ont le moins les moyens. Donc les familles payent en moyenne aujourd'hui 2,63 €. C'est un tarif moyen qui a baissé suite à ces nouveaux tarifs sociaux. Et les tarifs sociaux, donc 1736 enfants, dont 1400 familles monoparentales bénéficiaires du RSA, et 333 dans des situations sociales très difficiles, bénéficient aujourd'hui des repas, ça représente 8% des inscrits, des enfants scolarisés. Et pour le tarif le plus bas, donc à 1,75 €, ça représente 18% des inscrits, soit 3867 enfants. Donc voilà, ça montre aussi ce rôle social et l'aide alimentaire que peut apporter la restauration scolaire. Je tenais aussi à rappeler que le coût des repas portés par la ville de Montpellier s'élève à 9 €. Si on tient compte de la fabrication du repas, la distribution, et ça va même jusqu'à 12 € si on prend la prise en charge totale de l'enfant sur le temps du repas. C'est donc un service qui est quand même largement subventionné, y compris pour les familles qui payent le maximum, à savoir 4,95 €. Donc je rappelle également qu'on a facilité l'accès à la cantine par une souplesse, par la possibilité de modifier les réservations 10 jours avant. C'est quelque chose qui est compliqué à gérer dans la production des repas, parce que vous imaginez bien que la production de 15 000 repas par jour, c'est pas facile à gérer. Et on se rend compte malheureusement qu'il y a beaucoup de familles qui ne réservent pas. Il y a 14% des enfants qui ne sont pas qui s'inscrivent et qui ne viennent pas, et 6% qui viennent sans être inscrits. Alors on ne refuse jamais un repas à un enfant, tous les enfants qui se présentent à la cantine mangent, mais c'est vrai que c'est particulièrement compliqué à gérer. Et ça génère du gaspillage alimentaire. Je voulais rappeler aussi que cette année, la cuisine centrale a fourni les repas pour le centre de vaccination à tous les bénévoles. Donc ça a représenté 7980 repas entre juin et novembre qui ont été fabriqués par la cuisine centrale. Et que la cuisine centrale va également fabriquer 300 repas pour le repas solidaire de Noël du 24 décembre qui se tiendra à la mairie pour les sans domicile fixe. Et du coup... je tenais très sincèrement à remercier les services, donc la direction de la politique alimentaire, mais aussi la direction de l'éducation, puisque, comme nous l'avons rappelé, ce service qui est absolument fondamental a pu être maintenu et dans des conditions particulièrement difficiles, puisque là, ces dernières semaines, les équipes ont dû faire face aussi à la crise sanitaire et aux nombreux cas de Covid, de cas contact, d'absence, etc. Mais malgré tout... ce service a pu être maintenu parce que produire 15 000 repas par jour, ça ne peut pas s'arrêter. On est obligé de continuer en permanence. Donc je tenais sincèrement à le souligner et à les remercier. Merci beaucoup, Madame Massard, pour ce focus sur les tarifs et qui spécifiquement sur la cantine. 9 € le coût d'un repas et le soutien que la collectivité apporte et l'effort de solidarité. Il ne s'agit surtout pas de le remettre en cause. Au contraire, nous l'avons accru et notre engagement du bouclier social sur le tarif de
de 50 centimes pour les femmes seules avec enfants est une grande fierté. Je sais que vous avez beaucoup d'élus à la restauration qui viennent voir comment on le met en place. C'est, voilà. Et merci des mots pour les agents, parce que à travers eux, je crois qu'on peut vous saluer aussi. Monsieur Djawari, vous avez la parole sur les tarifs. Vous avez demandé des baisses. Monsieur le maire, j'interviens dans cette délibération concernant les tarifs de la ville de Montpellier. Et je rebondis aussi sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la destruction de la tour d'Assas. Et je vous remercie, les commerçants vous remercient pour les deux interventions qui sont intervenues la semaine dernière, qui ont permis un peu d'essayer de nettoyer la situation. Ça, c'est une première chose. Par contre, comme vous le savez, ce n'est pas une solution pérenne, puisque une heure plus tard, ces gens-là reviennent. Et je ne doute pas que vous ne pouvez pas laisser installer quotidiennement des camions de police, puisqu'on parle d'une centaine de commerçants non déclarés qui sont là-bas. Bon, ces solutions, je ne doute pas que vous travaillez dessus. Par contre, la situation presse. Cette semaine, il y a un grossiste qui a pignon sur rue sur Montpellier, 32 ans d'activité au marché gare, qui vient de déposer le bilan. 3 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires en fruits et légumes, qui ne peut pas continuer. 5 salariés mis à la porte. Vous qui défendez le commerce de proximité, le circuit court, ben on a aujourd'hui une des victimes. Nous avons un deuxième qui est à quelques mois du dépôt de bilan et qui vous sollicite aujourd'hui pour que vous puissiez défendre ces gens-là. Les commerçants, les petits commerçants aussi. Bon, l'objet, moi, de mon intervention, c'est surtout de vous dire, est-ce qu'il n'y a pas un petit effort qui peut se faire, notamment pour les commerçants des Halles? Je vois ici les redevances des Halles des 4 saisons. On est à peu près à 50 euros par mètre carré par trimestre. Est-ce qu'on ne peut pas faire un geste en exonérant ces gens-là le temps que vous assainissiez la situation, puisque vous vous êtes engagé à le faire, et faire un geste d'exonération de tout type de taxes avec laquelle ils peuvent être taxés, sachant aussi que la ville de Montpellier contribue aussi avec le nettoyage tous les jours vers 17h. Je vois les camions de Nicolas arriver là-bas et enlever tous ces détritus qui sont faits là-bas pour laisser un quartier propre. Et ça, ça a un coût qui est supporté par l'ensemble des Montpelliérains. Les gens des Halles aussi se plaignent parce qu'il y a eu une augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures et ils se disent, est-ce qu'il n'y a pas un effet de vase communicant? Je compte sur vous vraiment pour soutenir ces gens-là en toute intelligence. Et ces gens attendent toujours le rendez-vous que vous nous avez promis. Merci de votre attention. Et merci pour vous. Code va vous apporter des éléments de réponse et je compléterai. Oui, monsieur le maire, monsieur Djawari. D'abord... Effectivement, c'est une situation que nous connaissons bien. C'est une situation que nous avons découverte à ce niveau quand nous sommes arrivés à l'été 2020. Et les commerçants des Halles des 4 saisons, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, si vous les rencontrez aussi régulièrement, ont dû vous dire que nous avons, pour la première fois, pris ce problème à bras-le-corps. La situation était hors de contrôle en juillet 2020. Je me souviens d'une réunion avec le préfet Witowski à ce sujet. Et effectivement, il était urgent d'essayer de remettre un petit peu d'ordre. Donc effectivement, des opérations nombreuses avaient été conduites à l'été et à l'automne 2020 avec la police nationale. Pourquoi la police nationale? Parce que nous avons besoin de son aide et surtout des réquisitions du procureur de la République pour pouvoir faire des confiscations. Je vois fleurir sur les réseaux toujours évidemment la même rengaine. Il y a des policiers municipaux, mais ils n'interviennent pas. Quand on est face à un marché d'une telle ampleur, 4 policiers municipaux ou 6 policiers municipaux dépourvus du statut d'officier de police judiciaire, ils ne peuvent rien faire. Nous avons donc besoin d'opérations coordonnées, police nationale et procureur de la République.
C'est ce que nous avions conduit à l'été, à l'automne 2020, avec, et encore une fois, je m'étais rendu sur place auprès des commerçants des Halles des Quatre Saisons, avec des résultats et un certain nombre de confiscations de très nombreux véhicules, 7 dans mon souvenir, qui sont encore dans notre fourrière actuellement. Et des tonnes, effectivement, monsieur le maire, vous l'avez rappelé, de marchandises confisquées. Ce phénomène s'est calmé, ce phénomène a repris, ce qui est bien la preuve qu'en matière de tranquillité publique, il faut savoir faire preuve de patience et de volonté et de continuité d'action. Nous sommes donc retournés avec la police nationale 2 fois au mois de décembre, en début décembre. Évidemment, il est hors de question que j'annonce quoi que ce soit en termes de calendrier. Je peux vous dire que, bien évidemment, comme monsieur le maire l'a dit, nous y reviendrons. J'ai pas plus tard que cet après-midi une réunion avec la direction départementale de la sûreté publique de Montpellier sur cette question particulière. Enfin, il s'agit aussi de voir un petit peu plus loin, effectivement d'étudier les aménagements urbains qu'il est possible de mettre en place. Les choses ne sont pas simples. Là encore une fois, plutôt que les caricatures et les raccourcis, l'action publique commande le sérieux. Les choses ne sont pas simples parce que nous sommes sur la voie publique, parce qu'il y a des accès pompiers que nous ne pouvons pas condamner. Bref, c'est compliqué. J'ai donc demandé, et elle se tiendra, à mes services de coordonner une réunion avec les services de la voirie, avec donc les services de la DSTP, pour que nous puissions étudier sur place les aménagements qui sont dans le cadre du droit possible. Voilà. Donc effectivement, cette question, elle est importante, elle est fondamentale. Les commerçants des Halles des Quatre Saisons savent que nous travaillons et évidemment, nous continuerons ce travail. Pour ce qui concerne la question des redevances commerciales, ça n'est pas ma responsabilité, je ne m'exprimerai pas sur cette question. Je vous remercie. De vos réponses, et Monsieur Jaouari, vous nous avez donné acte de notre mobilisation. On ne dévoile pas le jour et l'heure des opérations parce qu'évidemment, il faut qu'elles soient efficaces. Mais il faut rappeler pourquoi ce marché est un problème. Très important. Ce marché est un problème parce qu'il y a des commerçants qui payent leurs redevances, qui respectent la règle. Ceux des halles, ceux environnants, leurs loyers, etc. Et là, le domaine public est privatisé par un certain nombre d'individus qui viennent vendre leurs marchandises. Marchandises qui arrivent d'Espagne, sous forme de filière. La première saisie, c'était 24 tonnes. Donc on était vraiment, je vous l'ai raconté, mais je reprends bien l'historique. 24 tonnes de produits, dont certains, quand nos services d'hygiène sont arrivés, une tonne avait été identifiée de produits avariés, dangereux par usage de pesticides, etc. Enfin bref, des trucs produits au coût le plus bas et donnant une grande lucrativité, abusant d'ailleurs de la détresse des habitants qui, avec leur niveau de revenu, cherchent à se nourrir. Donc nous avons saisi 7 camions, pas des petits, qui sont actuellement en dépôt à la fourrière, et nous avons fait des remises. Et on a dit, on ne se pose pas de questions, on saisit. Il y a un certain nombre d'individus qui ont eu à apparaître devant la justice et qui ont fait l'objet de sanctions. Aujourd'hui, donc, on a cassé une partie du phénomène. Une partie seulement. Car effectivement, aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de personnes qui viennent et qui reviennent. Dans des proportions moindres en termes de produits, parce que les premières interventions ont permis de taper les gros, si je puis utiliser cette expression. Mais notre résolution là-dessus, elle est totale. L'autorité publique doit être respectée. Et je pense que tout le conseil municipal ici soutient. Donc là, il y a une réunion cet après-midi à nouveau, indépendamment de l'article du journal d'ailleurs. C'est par pur hasard pour pouvoir continuer à travailler dessus. Les contraintes d'aménagement vous ont été données. C'est aussi un endroit où, vous le savez, il faut que les forces de sécurité puissent intervenir. Il reste encore quelques résidents dans la tour d'Assas. Si les pompiers doivent venir, ils doivent pouvoir y accéder. Enfin, voilà, ce sont nos contraintes. Donc là, notre détermination, elle est totale. Et on va voir, je vais les recevoir, les commerçants des Halles. Je vais m'y rendre là, dans
entre deux fêtes des Halles des Quatre Saisons pour pouvoir échanger avec eux et voir plutôt, enfin, voir comment on peut dynamiser pour rappeler qu'elles sont importantes. C'est des très bonnes Halles, les commerçants qui sont là-bas sont des personnalités à la fois très attachantes, enfin, très généreuses hein, dans le rapport, avec des produits de qualité. C'est des Halles qui sont très appréciées, pas que par les habitants du quartier, on y vient de loin, et donc il faut qu'on essaye de voir comment on peut les soutenir en termes d'attractivité. Hein, je crois que ça, c'est un élément de réponse, et puis il faut qu'on explique à la population, quand elle va sur le marché illégal, qu'elle participe à soutenir des gens qui sont dans des situations de délinquance, hein, d'infraction à la loi, et qu'elles se mettent elles-mêmes en danger du point de vue des produits qu'elles achètent, qui sont de très mauvaise qualité, sur lesquels nos services d'hygiène interviennent. Voilà, merci d'avoir remonté cela, ce point, et aussi de comprendre que ça ne serait pas d'un coup de baguette magique, hein, parce que ce dossier... voilà. Monsieur El-Khandoussi, je vous donne la parole. Merci, monsieur le maire. Simplement, vous indiquez, monsieur Cotte a découvert le problème à l'été 2020. Nous étions conscients de ce problème, simplement pour vous dire que le premier lieu où se retrouvaient ces vendeurs à la sauvette itinérants était le parking qui sert pour le stade de la Mosson. Et à l'époque, nous avons fait poser, avec l'aide de M. Elnecave, des barrières avec une hauteur maximum pour empêcher justement ces grands camions de pouvoir rentrer sur ce parking. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont déplacés au pied de la tour d'Assas. Ce qui veut dire que vous allez faire certainement une intervention à cet endroit-là. Et comme ce sont des vendeurs à la sauvette itinérants, ils trouveront certainement un autre endroit où se positionner, tout simplement pour vous dire que c'est un problème vraiment complexe, et j'espère que vous arriverez à trouver des solutions à ce problème. Mais voilà, ayez en tête qu'ils n'ont pas d'emplacement réservé, ils se déplacent et ils se mettent là où ils veulent. Votre intervention et de cette précision, d'où M. El-Khandoussi, qu'à la fois il doit y avoir les dispositifs qui empêchent, mais aussi que les gens qui commettent ces délits répondent de leurs actes devant la justice. Et d'où l'importance, et d'où ce que nous avons posé dès le départ, une intervention coordonnée, les saisies des camions, les comparutions. Enfin voilà, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des règles, et les règles, elles sont faites pour être respectées. Après, si ces gens ne sont pas d'accord avec les règles que nous posons sur l'occupation du domaine public, il leur convient de nous le dire, mais là, pour l'instant, ils sont en infraction. Les services des douanes sont aussi dessus. Voilà, c'est la règle qui fonde l'action. Merci. Je propose de passer aux voix, espérant, M. Jamari, qu'on ne l'ait pas à chaque conseil municipal. Hein. Affaire 24, qui est contre, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote, adopté. Affaire numéro 25, c'est lié à la réorganisation de notre collectivité, c'est les pôles. 12 femmes sont à leur tête. Sur les 20 et avec les missions suivantes rattachées à la direction générale. Et j'espère que certains ont observé la mission marge de manœuvre pour travailler sur les dépenses de fonctionnement et pour améliorer la bonne gestion de l'argent public. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Monsieur El-Khandoussi. Merci. Simplement pour vous dire que je ne prendrai pas part au vote de l'affaire 25 à l'affaire 30. Bien reçu, monsieur. Et c'est valable pour la procuration de monsieur Sorel. D'accord. Donc, OK, tout le groupe de monsieur Sorel ne prend pas part au vote. OK. Affaire 25, donc, ceci étant noté, qui s'abstient, qui est contre, adopté. Affaire 26, même vote, même vote. Affaire 27, convention de disposition, de mise à disposition. Je pose même vote et ne prennent pas part au vote, monsieur Bélanger, moi-même, madame Dombrocos, madame Naki, madame Robin et madame Serrano. Même vote, même vote. Affaire 28, madame Hart ne prend pas part au vote, sa maison d'Heidelberg. Même vote, même vote. Donc le MPPV, hein, comme indiqué. Affaire 29, convention de mise à disposition entre la ville et la métropole. Même vote, même vote. Affaire numéro 30, même vote, même vote. Abstention de Mme Doulin. Affaire 31, relation entre la ville et la métropole sur des véhicules. Qui est contre, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote? Vous ne prenez pas part au vote sur la 31, M. Vita?
Non, parce que là, bon, ok, unanimité. Affaire 32, convention de groupement de commandes entre la ville, la métropole, le CCAS sur l'informatique. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part? Vote. Unanimité. Affaire 33, autre convention de groupement de commandes sur les logiciels informatiques. Même vote. Même vote. Affaire 34, programmation des lieux d'art de la ville de Montpellier 2022. Donc c'est la programmation de M. Gilles Morat au pavillon populaire et sur Bagouet et Galerie Saravi. Tu veux dire un mot, Célia? Ok. Merci. Donc il s'agit de présenter la programmation 2022 du pavillon populaire et de l'espace Saravi. Je voulais juste dire un mot parce que c'est des lieux d'art de la ville de Montpellier. C'est le pavillon populaire, l'espace Dominique Bagouet et l'espace Saint-Ravi. Et ça complète l'offre justement culturelle sur le territoire montpelliérain avec le musée Fabre et le Moco. Pour le pavillon populaire, l'année s'ouvrira par la présentation d'un projet photographique inédit de Raymond Depardon. À l'été, ce sera une rétrospective de Peter Lindbergh. Il y aura les photographies aussi en mai. Et à l'automne, ce sera une exploration de la création photographique en France dans les années 70 et 80. Nous regrettons juste une absence de parité dans la programmation du pavillon populaire cette année. Mais nous espérons que les prochaines années, justement, ce sera le cas et ça redeviendra une parité parfaite. Juste pour l'espace Dominique Bagouet, il sera annoncé ultérieurement. Pour l'espace Saint-Ravi, l'accueil des œuvres d'artistes émergents du territoire de la métropole, sélectionnés par un jury de représentants de la ville et de professionnels des arts plastiques après appel à projet. Je voulais juste mettre l'exergue sur la programmation qui a lieu en ce moment même jusqu'à jeudi prochain de Aïda Sunurugli. Elle propose aussi des démonstrations le samedi et le mercredi. Je vous enjoins vraiment à y aller parce que c'est une exposition formidable. Pour info, c'est une artiste aussi qui travaille avec les scolaires. Elle a reçu des classes scolaires lors de cette exposition et elle a deux résidences cette année dans le cadre des parcours artistiques et culturels dans les écoles. Je voulais le souligner. Donc voilà, il s'agit pour l'affaire 34 d'approuver la programmation des lieux d'art, d'autoriser l'invitation de personnes, évidemment, pour assister à ces expositions. Sur l'affaire 35, je fais les deux, je propose de lier les deux. C'est sur donc l'espace Saint-Ravi et l'appel à proposition d'exposition. C'est un lieu municipal dédié aux artistes plasticiens et photographes émergents issus du territoire métropolitain. Donc les artistes intéressés répondent à un appel à candidature annuel, puis sont sélectionnés par un jury composé de professionnels et d'élus municipaux. Le calendrier de l'appel à projet est le suivant. À partir du 3 janvier, lancement de l'appel à projet qui sera clôturé le 6 février 2022. On se réunit le mi-février et en avril 2022, justement, il y a la communication des résultats. En ce qui concerne les conditions de candidature, comme les années passées, l'appel à candidature sera ouvert aux artistes plasticiens, seuls ou en collectif, domiciliés à Montpellier ou sur les territoires de l'une des communes de la métropole. Et la priorité sera donnée aux artistes ayant peu, voire jamais exposé. Les dossiers seront déposés en ligne, la procédure est en ligne comme chaque année. Je vous remercie. Merci à nous de cette présentation complète, mais je crois que vous avez donné une nouvelle très importante qui n'a échappé à personne. Nous aurons une grande expo à la rentrée. Et Raymond Depardon, c'est l'un des plus grands photographes français qui avait été exposé en 2009 au pavillon populaire dans le cadre d'une très grande rétrospective Raymond Depardon. Et c'est vraiment un grand bonheur pour nous tous de réaccueillir ce photographe qui est très lié à Montpellier par son épouse, parce qu'en fait c'est le couple Depardon qui est clairement à l'honneur. Et donc voilà, début janvier, et ça vient rejoindre la très belle exposition que je vous invite tous à découvrir au musée Fabre, qui est la collection des donateurs de ces 15 dernières années sur le beau. Et donc ça conforte notre programmation culturelle, elle l'est toujours, mais
voilà, elle se renouvelle et ça nous permet d'attirer des visiteurs d'ailleurs autour de la culture. Et vous avez évoqué, je le relève, Saint-Ravi, c'est notre soutien à la scène émergente, aux étudiants de l'École des Beaux-Arts en sortie. Voilà, et nous continuons, et vous avez précisé un critère important qui n'ont pas souvent exposé. Voilà, et ce lieu donne sa chance. Marsala, vous acquiescez parce que vous avez beaucoup soutenu, et vous-même, une époque. Non, mais vous, qui êtes artiste et qui participez au rayonnement culturel du territoire, voilà, c'est très important. Mais là, voilà, la programmation du pavillon populaire, oui, oui, bien sûr, autour de Raymond Depardon, c'est une formidable nouvelle parce qu'en France, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu en expo à Raymond Depardon. Ben Marsa, vous voulez dire un petit mot? Allez-y. Non, très rapidement, juste sur le jury. Je vois que vous avez indiqué dans le jury les gens qui peuvent le composer, un ou deux élus désignés au sein du conseil municipal. Et je voudrais vous proposer ma candidature, puisque je pense que j'en ai les capacités. Voilà, merci. Sur deux élus, ce qui est pas mal, c'est qu'il est élu à la culture, ou Célia, et puis, mais elle y est. Ah oui, bah, y a aucun souci, au contraire. Bien sûr. Attendez, on a besoin de tout le monde. On peut ne pas être d'accord sur des points ou avoir des appréciations différentes, mais voilà, et c'est vrai que je me permets de vous saluer comme collègue, mais il y a une chose pour laquelle on n'est pas collègue, parce que moi, je ne suis pas un artiste, et vous, par contre, on a plaisir à découvrir votre travail, à lire les ouvrages que Guy Barral a édités pour vous. Et voilà, donc oui, c'est une très bonne chose. Merci à vous de contribuer, Mme Marsa. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Adopté. Affaire suivante, c'est-à-dire la 35, sur Saint-Ravi, en même vote. Même vote, adopté. Allez, affaire 36, on l'a évoqué à la métropole. C'est la convention avec monsieur le maire de Bargny, et donc qui sera à Montpellier demain. Et nous signons cette premier accord de coopération avec une ville d'Afrique. Et là, c'est les conséquences du nouveau sommet Afrique-France pour engager les coopérations avec les sociétés civiles du continent africain. Et là, nous devons beaucoup à la diaspora. Je me fais ton porte-parole, ma chère Claire, en saluant ton travail dans cet accord de coopération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Unanimité. Et donc demain, Marthe et moi-même nous accueillerons monsieur le maire, avec grand plaisir. Affaire 37, festival de cinéma russe, il s'agit d'attribuer une subvention, ne prennent pas part au vote Mme Magbarali, moi-même, Mme Jiménez, Mme Marthe, Mme Jeannin, Monsieur Lévita, Monsieur Paterno, Mme Robin, Mme Serrano. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Affaire 38, mise à disposition de salle, la salle des maisons des relations internationales, Mme Akbar Ali, Monsieur Assaf, moi-même, Madame Emad, Mme Jiménez, Mme Hart, Mme Ougui, Mme Jeannin, Monsieur Lévita, Monsieur Paterno, Mme Robin et Mme Serrano ne prennent pas part au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté. Relations internationales, ah oui. Ne prennent pas part au vote Madame Emma, Madame Fraîche, Madame Hart, Madame Marsa, Monsieur Nosbé. Et je me permets, Monsieur Lévita, de vous répondre suite à votre interrogation au Conseil de Métropole. On a gardé les mêmes montants de subventions. Il n'y a pas de hausse. Par contre, je maintiens, on intensifie les relations sur la question du vin, voilà, avec la Chine, mais c'est il n'y a pas d'évolution de montant. Voilà. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous abstenez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adopté. Affaire 40, c'est des affaires d'urbanisme liées à la réalisation de la ligne 5 du tramway. Ne prennent pas part au vote, monsieur El Kandoussi, Mme Eman, Mme Jiménez, Mme Mention, Mme Massard, Monsieur Nison et Monsieur Reynaud. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Affaire 41, c'est le projet de la même délibération qu'en métropole sur la rénovation urbaine, convention entre la ville, la métropole et l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ne prennent pas part au vote les administrateurs
de la CERM, M. Aslanian, M. Assaf, Mme Cabello, moi-même, Mme Fay, M. Levita et Mme Ribaud et Mme Jeannin, comme en Conseil de Métropole. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Affaire 42, DSP avenant numéro 5 sur le stationnement sur voirie. Ne prendront pas part au vote M. Elkandoussi, Mme Eman, Mme Jiménez, Mme Mention, Mme Massa, M. Nison, M. Reynaud. Qui est contre? Oui, bien sûr. Alors, attendez, pardon. Il y a, avant de voter, M. Guispin, allez-y. J'ai une question, oui, assez simple. Les 30 premières minutes sont gratuites. Ensuite, à la 31e, on passe à 7 euros. Et là où j'ai du mal à comprendre, c'est qu'au bout de 5 minutes d'épassement, on multiplie par 5, par 4 ou par 5, suivant la position. Et je trouve cette petite incompréhension, si on peut me l'expliquer, tout simplement, avant de prendre une position de vote. Guispin, M. Cotte va vous présenter. C'est la conséquence d'une délibération qu'on a eue, mais évidemment. Oui, oui. Occasion d'ailleurs de souligner, parce que cette conséquence me permet, et merci de votre question, M. Guispin, de souligner la grande innovation qui est la création de ces zones de très courte durée gratuites. Je crois, sans trop m'avancer, je pense que sur le stationnement réglementé de surface, nous sommes la seule métropole à offrir cette possibilité sur 10 secteurs de la ville, particulièrement dans les faubourgs avec de très nombreux commerçants. L'idée est simple, permettre justement l'attractivité commerciale du centre-ville et de nos faubourgs en permettant aux clients de venir stationner gratuitement 30 minutes pour pouvoir faire leurs achats. C'est une décision qui était très attendue. Je signale que ces zones très courte durée seront clairement matérialisé, clairement indiqué, qu'il faudra évidemment se signaler via l'application M-Ticket ou via le rodateur pour en profiter, qu'elles seront aussi, que leur seront adjointes des places de stationnement pour les vélos et aussi pour les deux roues motorisées. Nous allons en profiter aussi pour augmenter le nombre de places dédiées aux deux roues motorisées pour leur permettre aussi de pouvoir se garer sur des places et non pas parfois sur le trottoir, puisque c'est interdit. Alors, pour répondre à votre question, c'est juste une question juridique. Nous sommes obligés, pour arriver au forfait post-stationnement, nous sommes obligés de mettre en place une progressivité. Donc, c'est pour ça que 31e, 32e, 33e, voilà, c'est une obligation légale. On ne peut pas, puisque ensuite il sera en infraction, puisque s'il dépasse de une minute, il ne pourra pas bénéficier de la gratuité, donc il sera en infraction, mais on ne peut pas lui appliquer, puisque nous sommes dans une zone réglementée de surface, on ne peut pas lui appliquer immédiatement le forfait post-stationnement, et donc on est obligé d'avoir une progressivité. Voilà pour répondre techniquement à votre question. Je suis allé un peu vite, pardonnez-moi. Merci, Monsieur le maire. Juste une interrogation. Il y a de nombreux rodateurs qui sont emballés, je vais dire, avec un film noir où dessus il est noté simplement les conditions pour pouvoir télécharger l'application et pouvoir payer avec cette application. Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai plusieurs personnes, puisque là où j'ai ma permanence, c'est le cas. Et quand je reçois, j'ai des personnes âgées qui râlent beaucoup parce qu'elles n'ont pas le smartphone qui leur permet de télécharger. Je voudrais savoir comment font ces personnes. Alors moi, je vous le dis, c'est moi qui paye leur stationnement, pas de problème. Mais c'est pas le prix, c'est pas la question. La question, elle est que quand ils se garent, s'ils se font verbaliser, moi, j'appelle à votre vigilance, parce qu'après, ça met les gens en colère. Et dès lors qu'ils n'arrivent pas à remplir cette condition, il faut qu'on trouve une solution. On ne peut pas laisser des personnes qui n'ont pas le bon smartphone. Et puis, ces horodateurs, je crois qu'ils sont... c'est très cher, c'est de l'ordre de 5000 euros l'horodateur. Je ne sais pas ce qu'ils font sur la voie publique, s'ils sont emballés. Voilà, c'est juste une question, je voudrais essayer de comprendre. Et quelques éléments de réponse. Donc pour ce qui concerne votre permanence, donc on parle bien de... On est à la Croix-d'Argent ? C'est ça. Donc là, on est dans une zone, effectivement, où il y a eu de très nombreuses dégradations.
qui coûte évidemment très cher à notre délégataire. Vous l'avez dit, hein, c'est plutôt 6 à 7 000 euros hein, le prix d'un horodateur. Il y a des horodateurs. Alors effectivement, la législation quand même nous oblige à ce qu'il y ait dans un périmètre contraint d'autres horodateurs. Donc il y a à disposition effectivement un certain nombre d'autres horodateurs, pas forcément effectivement directement accessibles au plus près de toutes les places, effectivement, et ça c'est lié au vandalisme récurrent. C'est un problème effectivement sur lequel le délégataire travaille, puisque là, en l'occurrence, nous sommes dans une délégation de services publics. Donc vous avez parfaitement raison. Nous allons le réinterroger sur la question spécifique de ce quartier. Parce qu'effectivement, là, il ne faut pas que le vandalisme de certains pénalise ceux qui souhaitent réellement se mettre en conformité. Donc vous avez bien fait d'attirer mon attention sur ce quartier et sur cette rue. J'irai et je saisirai le délégataire avec lequel, évidemment, nous sommes en relation constante sur ces sujets. Merci. Monsieur Cotte, je mets aux voix. Donc, j'ai indiqué ceux qui ne prenaient pas part au vote. Qui est contre ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous avez le pouvoir de monsieur Sorel. Et vous ? Ah oui, pardon. Donc, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ouais, et 7 contre, qui s'abstient, une abstention adoptée. Affaire 43, rapport sur le prix et la qualité du service de prévention et gestion des déchets de Montpellier Méditerranée Métropole, exercice 2020. OK. Je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote, unanimité. Il y a écrit, ce rapport fait l'objet d'un vote. Bon, ok. Affaire 44, sur l'eau potable, même position. Adopté. Affaire 45, sur l'assainissement, même position. Ce conseil se termine. Si à la métro... Oui, Monsieur Travier. Oui, monsieur le maire. Un petit mot, quelques secondes, bien sûr. Si vous permettez, l'administration a distribué aujourd'hui un document important, pédagogique, très bien fait, qui concerne les accidents de trajet, les accidents de travail. Il n'y a qu'un problème, c'est qu'à mon avis, il est incomplet, en ce sens qu'il faudrait attirer l'attention des agents sur la possibilité qu'ils ont d'obtenir la réparation intégrale de leur préjudice. Hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent exercer le recours de droit commun, la mairie, la Caisse des dépôts viendront récupérer ce qui est à elles, mais ils ont droit à la différence. Et ça, à mon avis, ça n'est pas dit. Donc, il faudrait peut-être le compléter. Mais le document, c'est l'ordonnance du 7 janvier 1959 qui s'applique aux fonctionnaires de l'État et aux agents des collectivités locales, et les fonds d'indemnisation sont gérés par la Caisse des dépôts. Voilà. Monsieur le magistrat, cher collègue. J'ai fait ça pendant 25 ans pour la Caisse des dépôts, 35 ans pour la Caisse des dépôts. C'est important pour eux, il y a beaucoup d'argent à récupérer. Ben, Mireille, je vais dire un mot. Merci, monsieur le maire. Juste deux points. D'abord, vous remercier parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire jusqu'à présent sur le fait que vous avez acté à nouveau l'adhésion sur les villes marraines parce que les marins sont vraiment... très honoré, donc je voulais vous remercier publiquement. Et la deuxième chose, je vous avais interrogé, mais je sais que vous n'avez pas que ça à gérer, mais ça nous tient tous à cœur, c'est cette plaque en marbre qui avait été commandée pour le soldat Ronan Pointeau. Et je voulais voir si vos services avaient pu le regarder, parce qu'il y a toujours cette plaque qui était une plaque provisoire, et je trouve que c'est assez moche. Je vous remercie. Madame Miralles, madame la députée, sur la frégate Languedoc, évidemment, et on a été très honorés. Je le dis que nos marins étaient présents pour les cérémonies du 11 novembre. Nous savons qu'en ce moment, ils sont dans les mers de l'océan glacial arctique pour assurer notre souveraineté, et donc... c'est important, et leur présence permet aux jeunes de connaître mieux l'engagement, et c'est un lien. Voilà. Donc évidemment,
pareil, il faut être pas être zélé, pas, enfin voilà, faut continuité et c'est important. Quant à la plaque, à la mémoire de Ronan Pointreau, qui fut l'objet, il faut quand même, des fois c'est désespérant, hein. Voilà, c'est de profanateurs qui ont souillé sa mémoire sur la plaque provisoire qui fut d'ailleurs, à votre demande, apposée et tellement légitime. Donc la plaque en marbre, elle se prépare, voilà, elle sera apposée. On en parlera tous les deux pour voir dans quelle mesure on la pose, si on souhaite faire quelque chose, mais moi, nous nous plierons aux volontés de la famille et de ses proches. Je sais que c'est une émotion qui est encore ardente dans la ville, la mémoire de ce jeune soldat tombé au Mali. Donc, c'est en cours à la Cité des Arts, comme c'est prévu, et je reviendrai vers vous là-dessus. Je voudrais juste, pour terminer, vous remercier tous et toutes pour la qualité de nos travaux. On a adopté près de 500 délibérations cette année. En tout cas, on a discuté sur 500 délibérations et elles ont été adoptées, 700 à la métropole. C'est un rythme assez intense. Voilà, même là, la proximité de ce conseil par rapport à l'autre a un petit peu lié à l'activité nombreuse qui montre les engagements que nous mettons en œuvre et que nous avons présentés dans le DEB. Je voudrais remercier l'ensemble de l'administration de la collectivité de la ville de Montpellier et de la métropole, du CCAS, de l'ensemble des gens qui agissent pour l'intérêt général des Montpelliérains et les remercier de leur implication dans la crise et au quotidien pour porter les politiques publiques dont nous avons la charge. Avoir une mention spéciale pour le service de l'Assemblée qui rend possible nos travaux et de son implication. C'est les personnes qui assurent la traduction de nos travaux pour les personnes qui sont en situation de déficience auditive. C'est un enjeu républicain, l'accès de tous à l'Assemblée, de saluer la presse qui rend compte de nos travaux avec la liberté qui est si précieuse et indispensable. Voilà, il me revient de vous souhaiter de très très bonnes fêtes et un repos mérité. Vous dire que vous êtes tous, quelle que soit votre sensibilité, les bienvenus dans ces temps du 24 et du 31 de solidarité dans la maison commune, que vous l'avez compris, l'état d'esprit qui est le nôtre, c'est plutôt de travailler. Voilà, Mme Marsala, vous êtes bienvenue. On fera la commission sur les questions de participation des citoyens de Montpellier à la vie démocratique. Vous êtes évidemment les bienvenus, c'est des moments forts et je crois que si parfois on peut avoir des échanges un peu vifs, tout le monde est très sensible à des moments aussi de rassemblement où on est capable de montrer un visage d'unité. Je vous remercie, très bonne fête à tous et prenez un temps pour vous, ô combien précieux.